Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R.R. Martin. Ce soir, on va parler des tout nouveaux trailers qui sont sortis cette semaine. L'un est vert, l'autre est noir et on va débriefer ça image par image, on va tout vous dire. Et pour ce faire, je suis accompagnée de Chris. Salut, salut! J'ai cru que tu allais nous définir comme vert et noir, Eridan et moi, et du coup ça me faisait un peu peur, parce que je n'ai pas du tout envie d'être contre Eridan. Et donc je suis avec Eridan. Coucou les gens! Hop! Et donc, ce soir va falloir peut-être choisir votre camp. Sauf nous, parce que nous on est la garde de nuit, en vrai on choisit pas notre camp. On est neutre! Évidemment. Non, jamais, ouais. Vraiment. Ce qui nous définit le mieux, c'est la neutralité, je pense. C'est vraiment notre domaine d'expertise numéro 1. Totalement. Ah là là. Du coup, on va peut-être commencer très très vite, mais on va attaquer doucement, tranquillement, pour laisser le temps aux gens d'arriver. En parlant des petits trucs un peu au-delà de la bande-annonce qu'on a appris récemment pour laisser le temps aux gens d'arriver. Hein. Alors, je sais pas si c'est normal. Enfin, on a le retour du chat ou pas, parce que je le vois pas. Alors on n'a pas sur le visuel de Twitch, non. On ne l'a pas. Okay. C'est normal. Ok. Parce que comme ça, on peut avoir les images en très très grand. Mais ils sont là, on les voit. Okay, donc là, bonsoir à Esclarmonde, bonsoir à Orion, bonsoir à Pierre, bonsoir à Kate, bonsoir à Marco, bonsoir à Babar, bonsoir à AKN. Voilà, ils disent qu'on est là, on est là. Donc on est content. Alors on nous dit que Chris, ton son est un peu bas, donc je vais monter ton son. Ah ouais, c'est parce que je suis loin de mon micro. Je peux me rapprocher comme ça, mais vous allez voir mon front en très, très gros. Non, mais je t'ai monté un peu. Normalement, ça doit être bon. Quel beau. Et moi, voilà. Du coup, normalement, j'ai monté ton son, ça doit être bon. Ok, est-ce que c'est mieux si je suis comme ça? Ça va? Eh bien, on va voir. On va voir. Si tu veux, tu peux nous parler de la campagne de promo HBO pour tester. Eh bien, la campagne de promo HBO, elle est très très bien, la campagne de promo HBO. Ils ont tout à fait compris ce qu'il fallait qu'ils fassent. Ils ont des noirs et des verts et ils proposent aux gens d'être noirs ou verts. Vraiment, c'est tout ce qu'on attendait d'eux. Quelque part, ça aurait été con qu'ils ne le fassent pas. Et du coup, on a eu des jolis posters avec tout le monde. Des jolis posters bien retouchés sous Photoshop, surtout quand on regarde celui avec Egon et Kristen Cole, qui a peut-être même un petit peu d'IA générative dedans. Que moi c'est, alors les gens sont perturbés par Kristen Cole ou par le trône, moi c'est la main d'Egon qui me perturbe vraiment. Le estropié. Très honnêtement, la première fois que j'ai vu ces images, alors il y en a qui ont crié au génie et je comprends tout à fait pourquoi, hein, dans la composition, oui, bien sûr, c'est très bien joué. Mais alors, dans la réalisation, on dirait que ça a été fait par une IA, c'est... Au début, j'ai cru un fake. Après, ils n'ont jamais été bons sur les affiches, hein, HBO. Je veux dire, souvenez-vous des trucs bleu et jaune de Game of Thrones. Oui. Souvenez-vous d'accord. De tous les trucs odieux qu'on a eus. Enfin, voilà, c'est les affiches promo. Ça n'a jamais été trop leur truc. Je trouve que pour une fois, il y a un peu plus de composition que d'habitude, quoi. Alors, je suis à moitié d'accord avec toi. Il y a quand même eu quelques... Ouais, mais c'est vrai que c'était rare, en fait. C'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Quelques très bonnes idées, comme par exemple sur la saison 1, on avait une affiche de Rhaenyra Jeune qui reprenait l'affiche de la Passion du Christ. Non, c'était ça c'était très, un. Très bien vu. Je crois que ça c'était un fan-made. C'était un artwork, ça il me semble. Je ne sais plus. Non. En tout cas, non, moi, il y en a une que j'ai toujours bien aimée. Non, mais c'est surtout que... le corbeau dont les plumes se transforment en épée, ça c'était très bien trouvé. Bon, voilà. Après, oui, dès qu'il faut faire intervenir des personnages, c'est vrai que c'est pas toujours une grande réussite. Non, mais regarde l'affiche de l'année dernière avec l'œil de dragon, avec la dague intégrée dedans, là, c'était quand même assez chum, quoi. Oui. Déjà que la dague voilà. Est kitsch. Donc, tu vois, il y a des trucs...
comprends, mais de là à dire que c'est bien exécuté, pour une fois je trouve que le résultat est à peu près correct. L'idée d'en avoir fait une bannière et tout, presque il manquerait une affiche au milieu avec le trône juste, tu sais. Mais bon, voilà. Franchement, la bannière est cool quand même. Non, la bannière, ça fonctionne, hein, mais c'est la juste bannière que... Voilà. Et je dois avouer que moi, j'aime quand même bien celle avec, les Vélarions. Je trouve qu'elle a... Elle fait son petit effet, tu vois. Je les trouve stylés, tous les deux. Je suis plus sensible à celle avec Alicent, où tu vois comme par hasard les flèches. Oui, bah, évidemment. Non, mais parce que ça y est, elle est là, la neutralité de la garde de nuit. Ça s'arrête là, quoi. L'étoile à cette branche, ce qui nous rappelle que Alicent est liée à la religion des sept. Donc voilà, en ça, je la trouve pas trop mal faite. Ouais, mais je trouve qu'elle n'est pas mise à son avantage, en fait. Je trouve que là, il y a un vrai problème d'éclairage sur la pauvre Olivia Cooke, qui est quand même vachement plus stylée sur bien d'autres photos que sur celle-là, quoi. C'est d'accord. Après, ce qui est intéressant, c'est quand tu reviens à la composition où tu les vois toutes en même temps. Et où là, ça devient un petit peu intéressant parce que tu vois les oppositions qu'ils essayent de créer entre les deux reines. Hein. Aegon a beau occuper le trône, avoir la dague d'Aegon Ier et la couronne d'Aegon Ier, bah, tu sens que c'est pas lui le cœur du truc, c'est pas lui le centre du truc. Donc, tu as deux reines. Deux guerriers, et puis deux soutiens, on pourrait dire. Ouais, oui, bah un peu des kingmakers, quoi, de chaque côté, un peu dans l'idée, quoi. Chacun dans son genre. Ah, le chat nous dit qu'on est difficile. Ah non, oui, toujours. Alors après, c'est vraiment pour pinailler, parce que dans l'ensemble, je trouve que ça fonctionne. Hein, Non, et puis même la campagne de com, de manière générale, le All Must Choose et les deux trailers... Mais ouais. c'est brillant comme idée. Hein. En termes de com, ouais, les mecs, ils ont fait fort. Et ça répond au All Must Die qu'ils avaient sur Game of Thrones. Alors attendez, parce qu'en plus, il paraît que j'ai une nouvelle option dans mon Twitch. Je peux créer des sondages. Donc je vais vous faire un petit sondage. Choisissez votre camp. Allez-y, parlez pendant que je prépare mon sondage. Eh ben... Parmi les petits easter eggs qui sont cachés sur justement ces affiches, certaines personnes ont relevé que les images qui sont aux extrémités, donc celles avec les deux soutiens, il y avait à chaque fois un dragon en arrière-plan, donc a priori feu du soleil pour Aegon II et Criston, je crois, et Méliès, dans la logique, pour Rhaenys. Méliès, et... Georges Méliès, tu veux dire Georges Méliès, le dragon. Oui, bah moi je le prononce de la bonne façon, et toi tu le prononces mal, comme d'habitude. Hein. C'est comme le bif, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, on se refait pas. Et voilà. Alors parmi les autres très très bien cachés, il y en a juste un deuxième qui est un peu intéressant, je trouve. C'est que sur l'image d'Aegon... Le trône de fer, une des épées du trône de fer est en train de percer une des bannières d'Aegon, ce qui sous-entend déjà certaines choses par rapport à la thématique du pouvoir. C'est sur la gauche, là, à côté du H. Bas du H of the Dragon, si vous regardez. Mais dans le même ordre d'idée, moi, je trouve ça très, très cool sur la grande, grande bannière que le trône de fer soit poursuivi tout du côté des verts. C'est eux qui sont sur le trône, oui. Et du coup, sur toute la gauche, on a les visuels des épées du trône. Je trouve que c'est un petit rappel qui est très, très cool, quoi. Et du coup, normalement, vous pouvez voter vert ou noir sur le chat. Vous avez un sondage en cours. Ça va durer. Normalement, ça dure 10 minutes. On va le mettre maintenant, puis peut-être on le mettra à la fin du Twitch aussi pour voir si la balance s'équilibre. Pour l'instant, franchement, c'est pas très équilibré tout ça. Hein. On est plutôt sur un score à la Poutine que... Parce que les gens ne savent pas qui sont les vrais personnages géniaux de cette série. Ouais, comme dirait Hugo, c'est une branlée pour les immondes verts. Écoutez.
Moi, je vais rester poli parce que j'aime pas traiter les gens d'immondes, mais bon, voilà. J'espère pour lui qu'il est beau, quoi. Ah là là. Les vers, c'est indéfendable. Bon, on en reparlera une fois qu'il y aura eu sang et fromage. Hein. Ouais, Branson, les Poutine, c'est la team noire. Mais là, 84%, effectivement, on est plutôt sur un score Poutine qu'autre chose. Hein. Ah non, mais c'est clair. Ah oui, moi ça fait partie des trucs que j'espère. Enfin bon, de toute façon, j'ai l'impression que ça sera. Moi j'ai déjà un peu voté de. J'aime bien regarder les verts parce que je les trouve un peu moins chiants, quoi, dans l'ensemble. J'aime bien Rhaenyra, mais j'ai du mal avec les personnages qui gravitent autour. Je trouve qu'ils sont ou démons ou les autres qui sont un peu fades. Contrairement aux verts qui, je trouve, sont tous détestables à un point que ça en devient jubilatoire, quoi. Mais, ouais, ils sont distrayants, c'est ça ? C'est ça. Bah oui. Après, en vrai, je trouve que dans le bouquin, les noirs ont un certain panache et peuvent être distrayants par certains aspects. Mais ça a été tellement gommé, je veux dire, enfin, le pauvre Corlys, il fait pratiquement figure de figurant pendant la saison 1, donc il n'est pas intéressant. Corlys Velaryon, on s'en fiche de Corlys Velaryon dans la saison 1. Non ? Ou je suis le seul ? Mais je le trouve pas très développé par rapport au panache qu'il devrait avoir. Mais en même temps, c'est compliqué. Enfin, sa gloire, elle est aussi un peu derrière lui, quelque part. Donc, c'est sûr que c'était compliqué de rendre Corlys vraiment, vraiment passionnant dans la saison 1, j'imagine. Mais après, tu vois, on voit quand même, par rapport aux affiches de la première saison, avant, on avait Otto, on avait Misaria, qui ont disparu, par exemple. Et par contre, Corlys, il est toujours là. Donc, on est quand même sur un personnage qui continue à être un personnage de premier plan, enfin un second rôle qui est a priori plus mis en avant que un Otto Hightower qui pourtant était très charismatique dans la première saison et qui peut avoir encore de quoi faire là. Après, la différence, c'est que le personnage d'Otto, il est toujours incarné par Icy Fans, et du coup, t'as l'effet, c'était un peu leur grosse rosta de la saison 1 aussi, tu vois. Donc là, la saison 2, vu ce qu'ils ont fait avec la saison 1, ils ont plus besoin de le mettre autant en avant, je pense. Il y a ce côté-là. Alors, moi, je vois aussi une autre explication, c'est que dans la saison 1, Otto, il est central. Dans la saison 2, on va commencer à spoiler tout doucement, mais dans la saison 2, il va très vite être beaucoup moins important. Et de toute façon, la saison 1, c'était déjà une déculottée pour lui, où il se faisait damer le pion par sa fille à la fin. Donc, moi, ça ne m'étonne pas du tout qu'il l'ait retiré là de l'image et qu'à l'inverse, ils aient laissé Kristen, par exemple, parce que Kristen reste un personnage important pour la saison 2. Un autre point qui me semble important, c'est que, ouais, Missaria et Otto, Missaria déjà, elle n'était pas importante déjà en saison 1. Ouais. Pourquoi il la retire là ? C'est parce qu'elle ne va pas être beaucoup plus importante en réalité. C'est un personnage vraiment ultra secondaire. Et dans la saison 1, il ne voulait pas révéler tout de suite aux spectateurs qui n'étaient pas lecteurs qu'il y avait un Aegon, qu'il y avait un Aemond, et que ces deux personnage-là allait être important. Bah, d'autant que c'est les deux personnages qui changent pratiquement le plus. Alors, Eridan, on est en train de te perdre. Donc, du coup, ton son coupant, je vais meubler en disant que sur le chat, on nous dit que on espère que la saison 2 sera un peu moins pro-noir qu'à la saison 1. Alors, attendez, il y a Eridan qui fait des petits bruits, là. Je le rends muet quelques minutes. Voilà, excusez-moi. Hop. Donc ouais, je disais que sur le chat, il y avait quand même beaucoup des gens qui disent qu'on espère que ce sera beaucoup plus neutre avec un peu plus d'empathie pour les verts et peut-être un peu plus de méchant côté noir. Et je pense que ça risque d'être le cas quand même. Hein. Sans spoiler, il y a des événements dans la saison 2 qui devrait faire
faire repencher la bascule un peu côté vert sur certains points. Scandale, on censure Eridan. Eh oui, bah écoutez, c'est sa connexion qui censure Eridan. Là, il est frisé, le pauvre Eridan. Je pense que les données mobiles, c'était une meilleure solution que le Wi-Fi, finalement. Ah là 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 là. Bah, peut-être pendant qu'Eridan n'est pas là, on peut se balancer les trailers, comme ça, c'est... Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Alors, attention. Normalement, c'est tout bon. Attention, sous vos yeux ébahis, je vais changer de scène et lancer le premier trailer. Je ne sais plus si c'est le noir ou le vert. Ça sera au pif. Ah ouais, quand même, ça pète. Ça pète. Donc, pour information, je n'avais pas vu les trailers avant ce Twitch. Donc, je découvre. Pardon, excusez-moi, nous avons une interruption. Voilà. Une interruption de YouTube qui me fait des pubs. Quand même, ça donne envie. Hein. Alors, Eridan, est-ce qu'on t'a récupéré? Je ne sais pas si on a récupéré Eridan. On a récupéré Eridan. Nous allons tenter. Nous allons tenter. Nous allons voir. Ah ben, c'est merveilleux, regarde-moi ça. Pour répondre à Babar, peut-être qu'on se fera striker pour. Au pire, on mettra. Non, je coupe en fait pour YouTube. Sur la vidéo YouTube, vous ne verrez pas le trailer. Je fais un cut de la vidéo quand je mets en ligne. Donc cette vidéo ne sera pas et donc on ne se fera pas striker sur YouTube. Et oui, car je suis une vraie pro du montage. Je sais enlever un morceau de ma vidéo. J'en ai franchement la garde de nuit, ça vous apprend ces trucs. Je suis très fière de moi. Voilà. Mais en tout cas, ouais, il est impressionnant ce petit trailer. Du coup, on attaque les verts, maintenant qu'on a vu les noirs. Oui, vas-y, vas-y. Maintenant qu'on sait dans le sondage que les noirs ont gagné à 75%, 79%. Seulement. Bah, ah là là là. Moi, j'avais pas le droit de vote, sinon j'aurais voté, mais j'ai vu passer ça. Ouais, il y a 19. Attends, je vous dis exactement le chiffre. Nous avons eu 79% avec 19 voix pour les noirs et 21% pour les verts avec 5 voix. Je le garde en tête et on verra à la fin de ce live si on a les mêmes proportions. C'est le suspense. Et en attendant, je vais lancer la deuxième vidéo. A tout de suite. Oh là là. Egon, il a l'air encore plus détestable que d'habitude. C'est magnifique. On est d'accord. Ah, c'est magnifique. Ouais, moi, je trouve qu'il a l'air formidable. Cet acteur a l'air... Oh là là, mais l'acteur. C'est tellement bien. Il est super bien. Ah ouais. Oh là 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 là. Juste deux petits points, il y a un truc que je trouve vachement malin sur les bandes-annonces. Je sais pas si vous vous souvenez des bandes-annonces de la saison 1, mais du coup, il y avait toujours l'idée que ce petit logo HBO arrivait en fondu au flou, avec des flammes, et ils ont gardé cette idée-là, je trouve ça cool, du coup. Que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, t'as le bûcher funéraire dans le premier trailer, et t'as les bougies dans le deuxième, du coup. Je trouve ça assez sympa, voilà. C'est vraiment du pointilleux, quoi. Moi, j'aime bien, en fait, tout simplement leur narratif. Parce que, mine de rien, ils te rappellent aussi les événements. En genre quelques secondes, ils te rappellent, ok, ben, à la mort de mon père, c'était moi l'héritière et je me suis fait flouer, allez, on va aller à la guerre. Et de l'autre côté, t'as pas idée de tous les sacrifices qu'on a fait pour te mettre sur le trône. Je trouve que c'est aussi très intelligemment mis en scène pour réhyper les gens, pour leur rappeler ce qui se passait dans la saison 1 et pour replacer les enjeux en quelques secondes. Bon, et puis je pense que, comme HBO a l'habitude de le faire, les images qu'on voit, elles sont principalement issues des premiers épisodes, donc peut-être même à 75% de l'épisode 1, tu vois. Ouais. Donc du coup, c'est normal, ça va être l'épisode où on va tout remettre en route, puisque mine de rien... La saison 1, elle sera sortie un an et demi avant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, faut tout reposer en termes d'enjeux. Donc, ils ont assez de dialogues pour ça. Je dirais que d'ailleurs, les dialogues, mine de rien, c'est là où il y a le moins de nouveautés
dans les bandes annonces, en tout cas même par rapport à celles qu'on avait eues avant. On est un peu dans la continuité et du rappel et des phrases un peu floues pour te dire un peu où on va, mais il n'y a pas beaucoup de... on ne te place pas de nouveaux... Je trouve que même de manière générale, les deux bandes annonces présentent assez peu de nouveautés par rapport à celles qu'on avait eues la première fois. Je sais pas ce que vous pensez. Si, je suis là assez d'accord. Il y a eu pas mal de redites. Bon, des choses aussi un peu nouvelles, hein, c'est sûr, mais il y a eu pas mal de redites. Beaucoup de gens qu'on voit de dos, qui n'est pas forcément ce qui me séduit le plus, personnellement. Après, c'est quand même engageant, hein, je reconnais, mais il y a deux ou trois trucs où ils nous font bisquer. On reparlera de Cregan Stark tout à l'heure, mais là, quand même, en termes d'introduction, c'est un petit peu honteux. Excusez-moi. C'est ce teasing. Non, mais peut-être que du coup, ouais, je pense qu'il y a l'idée de bien replacer tout et de donner un peu plus que ce qu'ils ont donné il y a 3 mois, notamment, on va en parler, mais la bande-annonce, elle est quand même beaucoup plus dans... On va dire dans le, c'est presque un director's cut de la première, tu vois. Il y a des scènes qui sont quasiment identiques et qui sont quasiment placées au même endroit. Là où on aurait aussi pu attendre quelque chose avec un peu plus de nouveauté, mais je pense qu'il y a aussi l'effet. Les épisodes, ils sont toujours en post-prod, en tout cas, à mon avis, les épisodes 3 à 8, c'est le cas. Mais du coup, voilà, il y a... Bon, je les trouve très bien, attention, hein, je veux pas faire le mec qui ne fait que râler, mais c'est vrai que du coup, une fois qu'on prend dans le détail, on est plutôt pour les nouveautés, c'est plus de l'ordre, c'est plus à destination des fans, parce qu'il va falloir mettre pause pour vraiment comprendre qui est qui et quoi, et etc. etc. Voilà. Mais ça tombe bien, vous êtes ici pour ça, on va mettre pause et on va vous montrer toutes les images, toutes les nouvelles images. Et alors, sur le chat, on nous demande si la saison 2 sera disponible sur le Pass Warner ou s'il faudra attendre la sortie de Max en France. À ce jour, en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire que normalement, Max arrive dans toute l'Europe, hors France et Belgique, en mai, et arrive en France et en Belgique avant les Jeux Olympiques. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement à quelle date exactement. Si c'est très large, techniquement, HBO a un deal avec Amazon Prime via le Pass Warner, et donc il y a des chances pour que ce deal soit valide jusqu'à l'arrivée de Max en France. Sauf que du coup, comme on ne sait pas quand est-ce qu'est l'arrivée de Max en France, et peut-être qu'il y aura un peu de chevauchement aussi entre le Pass Warner et l'arrivée de Max, le temps que. Mais en tout cas, à ce jour, c'est un peu le grand flou artistique sur ce point-là, très précisément. Donc, ce qu'on sait, c'est que la saison 2, elle arrive le 16 juin aux États-Unis, donc ça fait le lundi 17 juin pour nous en France. Théoriquement, c'est sur le Pass Warner, mais ça peut encore bouger si Max débarque avant, ou même, enfin voilà, peut-être que du coup il y aura un tout petit timing où ils diront au Pass Warner non, parce qu'on arrive là dans les 2 semaines, donc on va faire un gros événement pour que les gens s'abonnent à Max avec notre super série exclusive qui arrive pile là. Voilà, c'est des pourparlers. En tout cas, Max arrive avant les JO en France. C'est tout ce qu'on sait. Et on peut noter que du coup, on a la date quand même qui est apparue à la fin. Et on a la date qui arrive, par contre. Ouais. On sait que c'est le 16 juin, en tout cas pour les anglo-saxons. On peut se dire que du coup, cette année, House of the Dragon ne va pas à la bagarre contre Amazon et son Seigneur des Anneaux, mais contre Star Wars. Ah oui, Disney coup, sort sa voilà. série Star Wars à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Donc, je pense pas que ce soit choisi vraiment par rapport à ça, mais c'est un peu rigolo quand même. Pour le coup, je pense que justement, ils ont plutôt choisi ça en fonction du timing, JO et plan de com un peu suffisamment tôt avant les JO pour qu'ils puissent faire leur com de Earth of the Dragon et qu'après, ils puissent faire de la com sur les JO au moment des JO. Sans avoir de tous les flux qui se chevauchent. Donc là, j'ai l'impression qu'il y avait quand même vraiment une contrainte forte autour des JO, parce que donc HBO est diffuseur des JO aux États-Unis et dans le monde entier via la plateforme Max, ce qui fait qu'ils auront quand même pas mal d'actu au mois de juillet et que du coup, je pense qu'ils n'avaient pas envie d'avoir en même temps à faire la com de House of the Dragon à ce moment-là.
ça aurait été dommage de mettre tous leurs œufs dans le même panier à ce moment-là, quoi. D'où le fait qu'on se retrouve avec, une, avec le 16/17 juin pour notre plus grand plaisir, parce que ça veut dire que c'est plutôt pour nous. Alors, allons-y. Dans cette bande-annonce. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette bande-là ? En plus, on a fait tout un super. Moi, j'ai rien fait puisque moi, j'avais même pas vu la bande-annonce. Hein. Donc, les garçons ont fait tout un super plan. Ils ont tout bien rangé. Du coup, on va pouvoir vous montrer tout ça. Alors, c'est un plan thématique. Ouais, on a essayé de faire un plan thématique parce que les bandes-annonces se recoupent beaucoup et on voulait pas se taper l'image par image des deux. On trouvait qu'il valait mieux appuyer sur les endroits où on avait des versions augmentées de la première bande-annonce et des endroits où on avait des nouveautés. C'est ça. Première séquence, on va dire, c'est Rhaenyra et les funérailles du coup de Jake. Luc, de Lucéris. Ouais, du coup, je l'ai encore raté, hein, je le rate à chaque fois. 24 heures plus tard, ça y est, ça revient. Ça ne marche toujours pas. Enfin, voilà. Bon, du coup, on avait fait ce premier focus parce qu'il y a un gros truc. Les deux bandes annonces commencent un peu pareil avec Alicent et Rhaenyra. Donc, on a les funérailles côté Rhaenyra et tout ce qui se passe d'un point de vue de la foi avec les petites bougies et aussi une thématique un peu funéraille du côté d'Alicent. Voilà. Donc, dans les nouveaux. Voilà, vas-y, Ridan, je te passe la parole. Bah, là où c'est un petit peu surprenant quand même dans les nouveautés, c'est que bon, on peut supposer que la saison va s'ouvrir sur la suite immédiate de la saison 1. Rhaenyra vient d'apprendre que son fils venait d'avoir un bon gros accident de dragon, puisque Vhagar a dérapé, évidemment. Et du coup, il y a des images, mais je ne crois pas qu'elles soient là tout de suite. Il y a des images où on devine Accalmie et il y a un dragon jaune qui ressemble. C'est celle-là. Voilà, il y a un dragon jaune qui peut passer pour Syrax. Donc, est-ce que ce ne serait pas Rhaenyra en train de retrouver le corps de Lucéris, de Lucéris ? Je ne sais pas comment vous le prononcez, vous. Mal, sûrement, comme d'habitude. De Luc. Du coup, on pense que derrière, les images qu'on a vues juste avant, celles qui ouvrent le trailer, ça pourrait être effectivement les funérailles de Luc. Ce qui pose quand même deux, trois petites questions, parce que bah, y a Jace. Or, Jace, il est censé être parti du côté du nord pour aller voir les Nordiens et leur dire « Dis donc, il y a ma mère qui aimerait bien récupérer son trône. Est-ce que vous pourriez l'aider ?» Du coup, c'est un petit peu surprenant d'avoir Jace au funérailles de Luke, mais peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose. Peut-être on a réussi à lui envoyer un SMS juste avant qu'il parte, tu vois, c'est en lui disant « Attends, le petit... » Demi-tour. Demi-tour, reviens, tu repartiras après. Du coup, je comprends pas bien sa présence. Par contre, il y en a un qui est absent, et ça, tout le monde l'a déjà remarqué, je pense. Sur l'image où on voit toutes les personnes réunies autour du flambeau, on voit les deux filles de Daemon, on voit Rhaenyra, et du coup, ses deux fils avec Jace qui a l'air de porter les vêtements de Luke, a priori. Voilà, cette image-là. Et on voit bien Corlys et Rhaenys, mais on ne voit pas Daemon, bien entendu. Parce que Daemon est déjà parti avec sa bite, son couteau et son dragon, et on en reparlera après. Oui, on en reparlera après, il est parti faire des choses pas cool dans les souterrains. Par exemple. Probablement. A priori, de toute façon, la bande-annonce nous l'a dit, hein, les Noirs, ils sont là pour la vengeance. Après, ouais. Moi, je me demande s'ils vont pas le jouer, tu sais, on va quand même voir... Parce que je vois pas pourquoi la série se priverait de faire une séquence. On a vu, alors, ouais, on va le voir après, en fait. Non, je garde cette réflexion pour plus tard. Allez, hop, on passe à la suite. Ça marche. Alors, on passe carrément à la suite, on passe à Alicent. Et vous avez encore d'autres choses à dire sur ces images. Ok. Bah, c'est des images, les bûchers qu'on a beaucoup vus dans la saison 1, donc ça rappelle aussi, je pense, pas mal de choses qui sont familières pour le spectateur. Tout à fait. Alors, cette image-là aussi, d'ailleurs, elle est assez familière pour le spectateur. On imagine qu'on est devant le crâne de Balerion et que Alicent continue d'entretenir les bougies qui sont autour du crâne de Balerion. Tout à fait. Dans une sorte d'acte de pénitence, peut-être, va-t-en savoir. Voilà. Non, qu'elle souffle bien. Alors, ça, pour le coup, je trouve que c'est peut-être un...
il y a peut-être l'idée que du coup, elle a l'air d'y croire quand même à cette histoire de prophétie, enfin en tout cas, de désignation avec Aegon, c'est redit dans le trailer et tout ça. Du coup, je trouve ça intéressant d'en faire du coup quelqu'un qui va... Tu sais, c'est quelqu'un qui est pieux par nature, mais peut-être que sa foi va glisser, en fait. Ouais. Et je trouve ça intéressant. Je peux me planter, hein, mais je trouve ça intéressant. Je pense qu'effectivement, sa foi va la mener vers le côté un peu fanatique. Hein. Ils annoncent tellement... Ils nous la montrent déjà comme tellement pieuse, déjà tellement relou avec sa foi. Oh là là, c'est pas bien. Oh là là, les sept, ils ont dit que... Elle est déjà tellement pénible avec ça... Elle va finir un poil Frigide Bardot de Westeros, quoi, si tu veux. C'est pas. Ouais, alors c'est marrant parce que je viens de sortir du film avec Olivia Colman, Scandaleusement Beau. Là, du coup, il y a des petits parallèles qui se font. Peut-être qu'elle va se mettre à injurier des gens aussi. Oh mon dieu, ce serait magnifique. Ce film est très bien. Si jamais vous voulez le voir, oui, il est assez délicieux. C'est la petite comédie anglaise de l'année. Voilà, c'était la prescription du jour. Et donc, il y avait les funérailles de Luce d'un côté, mais là, il y a d'autres funérailles. Là, on ne va pas dire, mais c'est des images qu'on a déjà vues dans le premier trailer où on voit Elena d'un côté, sa mère de l'autre. Là encore, on se demande où sont passés les hommes. Hein, il est où Aemond? Il l'a dit, à la guerre. Il y a des chances, oui, il y a des chances. Ben, on n'est pas complètement sûr, mais bon, c'est possible. Alors, par contre, cette image-là, moi, elle me pose problème. Non, la suivante, justement. Ouais. Celle-là, elle me pose problème parce que dans la composition du trailer, vraiment, j'étais convaincu que c'était en lien avec les funérailles. Et en fait, pas du tout. Je pense pas du tout. Mais je sais pas, parce que ça a l'air un poil joyeux quand même, ça. Non, les femmes, elles sont en train de pleurer. Mais les mecs ont l'air joyeux. Et du coup, je me demande si c'est pas plutôt le départ à la guerre des Verts. Oui, moi, je verrais plus ça comme ça. Oui, effectivement, là, vu parce comme ça, allez, vas-y, qu'on envoie des confettis. Ça fait pas trop enterrement quand même. Ouais, ils ont l'air un poil contents quand même, les gens. Ça dépend lesquels, vraiment. Ouais, non, il y en a qui ont l'air un poil tristes, mais pas tous. Juste après cette deuxième image, tu as justement une image en contre-plongée d'Alicent, qui va s'afficher si tu mets la suite. Et à nouveau, on est sur les funérailles auxquelles elle est censée assister. Donc, ça je vais prendre mon micro plus près, hein, sinon. Oui, Chris, fais ça. Oui, je ne peux pas monter ton micro moi-même plus que ça. Donc, Je vais faire comme ça vous aurez ma voix de crooner pour la suite. Yeah. Oh, comme c'est agréable. Si velouté. Non, mais après, on voit bien qu'effectivement, c'est un mensonge du trailer, là, parce que regarde, il n'y a pas de confetti vert qui lui tombe sur le voile. Donc, en fait, les deux images ne sont pas autant en lien que ce que le trailer essaie de nous faire croire. Non, et puis c'est quand même un poil chelou d'envoyer des confettis pendant un enterrement. Hein. Je ne sais pas si c'est des confettis, justement. Je ne sais pas ce que c'est. Je me suis demandé... Moi, je me suis demandé si, à un moment, parce que bon, faut pas se leurrer, hein, moi, la chronologie targaryenne, je la connais assez peu, et Feu et Sang, c'est une lecture qui remonte à trop longtemps. Du coup, il y a un moment où je me suis dit, peut-être qu'il y a encore un mariage que je me souviens plus qu'il a lieu, mais qui a lieu quand même à un moment, mais je voyais pas quoi. Donc, je me remettais à Eridan sur ce point-là, mais je crois pas qu'on puisse avoir de mariage dans cette chronologie-là, dans cette partie de la chronologie en tout cas. Il y a beaucoup de fiançailles en mode « tu voudrais pas épouser mon fils pour devenir mon allié ?» Et il y a très peu de mariages au final parce que les fils se font dézinguer les uns après les autres. Voilà, bisous. Mais ouais, la joie du montage, finalement. Ça. Non mais c'était bien joué, mais c'était un peu menteur. Bon, on va pas rentrer dans le détail de ces funérailles-là, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les deux oppositions. Pardon, tu disais. Non, c'est juste que du coup, la scène avec les confettis et tout ça, c'est pas sans rappeler, parce que bon, mine de rien, ici était beaucoup référé quand ils avaient fait la saison 8 au Seigneur des Anneaux. Il y avait déjà eu une pseudo-chanson de Pippin avec la chanson de Podrick, avec Jenny of Holstone. Là, je me demande si on va pas s'orienter vers la suite de la séquence avec Faramir qui part en combat, mais avec quelque chose comme ça. Ouais, ça me semble plus ça, les femmes qui pleurent, mais certains autres qui sont en mode la main sur le cœur et un peu guerrier, ce petit côté un peu patriotique, quoi.
Ouais, enfin, vaguement patriotique, hein, on est d'accord. Oui, en plus, dans Feu et Sang, pour le coup, Martine ne se prive pas de nous dire à quel point la foule peut être enthousiasmée lorsque les hommes reviennent de la guerre victorieux ou au moment où on a l'impression que ça y est, c'est la fin de la guerre ou je sais pas quoi. Et bon, c'est des mouvements qui sont très éphémères. Pardon, vas-y. Et puis ça fait partie, pardon, c'est moi qui te coupe à chaque fois parce que je vais être sûr de reprendre la parole. Non, et puis ça fait partie de la caractérisation de Port-Réal qui a un peu commencé en saison 1 et qui va devenir importante pour la suite. Donc je pense que c'est plutôt malin. Après, bon, voilà, on verra ce que ça sera effectivement dans la suite de la série, mais pour l'instant, ça nous fait penser à ça. Mais en tout cas, c'est aussi assez intelligent comme ça de parler de la foule de Port-Réal et de les introduire dans les moments clés parce que petit à petit, elle va aussi elle va devenir un personnage à part entière, cette foule. Donc c'est aussi... et c'est pas anodin qu'on voit la foule dans les trailers aussi. C'est un personnage de cette série et c'est bien de la montrer. Non, bon, par contre, après, en termes d'adaptation, moi, j'attends juste le moment où ça va vraiment adapter Martine, quand les gens déchirent leurs vêtements parce qu'ils sont tristes. Parce que ça me fait beaucoup rire, en feu et sang. C'est que tu veux voir des gens à poil, ça. Non, mais c'est juste que les gens sont tellement tristes qu'ils déchirent leurs vêtements. Et je sais pas, c'est une formule qui revient très souvent dans feu et sang. Et ça m'avait, à force, ça m'avait fait rire. C'est un peu un tic de langage de Martine. Comme les tétons sur les armures, tu veux dire ? Exactement. Bon, est-ce qu'on a fait le tour ? Je passe à la... Alors, point suivant, on part au nord. Et oui, ça aussi c'est de l'augmentation. On n'avait eu qu'un seul plan dans la bande-annonce d'avant, et puis là on en a plus. Mais la vraie surprise, c'est qu'on voit quelque chose qu'on s'attendait pas à voir, je pense tous, le haut du mur. Oui. Ah si, arrête, si. Non, mais moi, je m'attendais à voir Winterfell, mais pas pareil. Le haut du mur. Non. Mais tout le monde s'en fout de Winterfell, tu le reconnais pas, Winterfell. Le mur, c'est du fanservice à mort, mais laisse tomber. Eh, regardez, nous aussi, on a bien connu la série mère et on l'aime trop. Bouf, le mur, hein, les Stark, le mur, tout ça, ça marche pas, non? En plus, avec ses petites bouclettes et tout, là, t'as quand même une Jon Snow vibe à donf. Alors, celui qui a des bouclettes, c'est... Je sais que c'est Jace, hein, mais quand même, là-dessus, là, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas quand même un petit, une petite filiation Jon Snow qui nous est suggérée. Ah, peut-être. Alors, du coup, je vais pouvoir... un prince bâtard qui se tape un dragon à Winterfell, bon, hein, voilà, qu'est-ce que tu veux ? Pardon. Moi, j'avoue, je m'attendrais presque à ce que ce soit la séquence amorce de la saison 2. Je trouve que dans le genre, ramener les gens en faisant une ouverture sur le Nord, j'aurais trouvé ça malin. Dans les faits, je pense que ça va plutôt arriver après, puisque ça a l'air d'attaquer directement à la suite. Ou alors, je reprends la réflexion que j'ai laissée en cours tout à l'heure. Je me suis demandé si Jace allait pas apprendre, en arrivant au mur, ce qui est arrivé à son frère, et s'il n'allait pas revenir, et du coup, s'il n'allait pas y avoir les funérailles à ce moment-là. Du coup, d'un point de vue chronologie, voilà. Ça pourrait s'enchaîner, quoi. Mais bon. Moi, ça me fait très peur. Ça me fait très peur parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des téléportations en mode Littlefinger. Là, ça m'inquiète un petit peu. Je vous avoue que là-dessus, les trailers m'ont pas du tout rassuré et que j'ai un peu peur de la chronologie à venir. Mais bon, on en parle de Cregan ou... Bah non, on n'en parle pas puisqu'on le voit pas. Ah si, c'est-à-dire que... Il a des poils aux épaules comme tous les Stark. Il a une coupe de cheveux à la Ned Stark. Par contre, quelle mauvaise introduction, quelle honte. C'est nul d'avoir mis de dos comme ça. Je suis frustré. Tu es frustré. Ça te crée une frustration. Ok, on te montre le mur, on te montre un personnage méga attendu de la saison. C'est celui dont le casting a quand même fait beaucoup le couler le plus d'encre. Et donc là, on te le montre sans te le montrer. Moi, je trouve ça très intelligent. Au contraire, c'est hyper cool. Comme on nous dit, l'ancêtre de Benjen Stark. Il y a un peu cette petite vibe de Benjen là. Mais là, on vient te titiller le fanservice entre le mur d'un côté et le révélation de Cregan, mais pas trop quand même, de l'autre. Ah non, faut qu'on le voit pour de vrai dans la série. On veut le voir, c'est très bien joué. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi je trouve ça plutôt bien joué. Après, je trouve pas qu'il soit mieux traité que tous les autres personnages secondaires qu'on a vus dans... Enfin, les nouveaux personnages secondaires qu'on voit dans la bande-annonce, pour le coup. Je suis d'accord.
Il est traité comme les autres. Je pense que le sujet du trailer, c'est vraiment de ramener les gens dans l'histoire qui a déjà été racontée pour qu'ils puissent la poursuivre avec la saison 2. Je me demande si, potentiellement, j'imagine qu'on va revoir un trailer fin mai. Je pense qu'on aura peut-être plus de nouveautés dans celui-là que ce qu'on a eu jusqu'ici. Oui, pour refaire monter la hype, un gros coup juste avant le démarrage. Oui, 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 je suis assez d'accord. Mais là, effectivement, ce plan-là, il est assez symptomatique du... regardez, si vous mettez sur pause, les fans hardcore, vous allez voir des trucs qui vont vous faire baver. Mais d'un autre côté, on vous en montre pas trop quand même, parce qu'il faut pas déconner. Tu vois ? Alors, on nous demande... Ils auraient pu faire un plan large du mur, tu vois, avec un gros matte painting de bâtard, et ils l'ont pas fait. Quoi. Ça aurait été moins fort encore. Non, là, du coup, justement, c'est tu devines. Mais ouais, on nous demande dans le chat si Jace va au mur, normalement. Donc, tu confirmes, Aidan, ah oui. Non. Non, il va pas au mur. Il s'arrête à Winterfell, il n'y a aucune raison d'aller au mur. Et alors, est-ce qu'il va aller au Valdarine ? Voilà. Attends, juste avant, pour terminer sur le mur, juste, Eridan, après je te passe le Valdarine. Il y a un truc qui me ferait beaucoup rire, ce serait qu'ils adaptent le chapitre où la reine Alizane va au mur et où son dragon peut pas passer le mur. Franchement, moi, c'est impossible. Qu'il le fasse avec Jace. Franchement, c'est très probable. S'ils passent au mur, ils font forcément ça. Non ? Mais ils vont pas le faire parce que ça contredirait la saison 7 où le dragon dépasse le mur. Ils peuvent pas, tu sais, ils se sont pas privés sur certains trucs de dire God, c'était bien gentil, mais ça a quand même pas si bien été à la fin. Comment vous dire, s'il y a pas le Valdarine, moi je demande à ce que la saison soit retournée, ça va pas être possible, là, les enfants. C'est le meilleur passage de tout le livre. Le Valdarine, je veux le Valdarine. Je veux Jaina Arryn. Elle est où, Jaina Arryn ? Écoute, Jaina Arryn, pour l'instant, on ne sait pas si elle a été castée ou pas. On n'a pas de nom, en tout cas. Et on ne sait pas s'ils vont aller au Val d'Arryn. Franchement, je pense quand même qu'il y aura, forcément un tout petit bout de Val. Ne serait-ce que pour toute l'histoire autour des jumelles. Bah, et puis, je ne verrais pas l'intérêt d'avoir pris autant de temps pour parler de la Roche aux Runes dans la saison 1. Pour ne pas aller au Val derrière, ce serait un peu curieux quand même. Non, et puis Jaina Arryn, c'est quand même vraiment un personnage qui est très marquant en peu de temps. Et je pense qu'ils perdraient. Enfin, c'est le genre de truc qu'ils aimeront adapter. Alors, je suis assez d'accord avec toi, mais d'un autre côté, je trouve que vraiment, ils se sont donné les moyens à la fois d'en faire quelque chose, mais aussi de complètement abandonner cet arc-là s'ils n'ont pas le temps et si ça ne les passionne pas. Et quand on sait qu'effectivement, il n'y a que 8 épisodes et que les images nous donnent quand même, me donnent quand même l'impression que ça va être rushé en termes de chronologie, j'en viendrais presque à avoir une petite appréhension, dis-donc, pour ma Jenny chérie. Ouais, sur la question des 8 épisodes, je pense qu'il faut être méfiant parce que ça peut être 8 épisodes plus longs. On a déjà vu, c'était dit dans le bouquin de James Seabird, Le feu ne tue pas le dragon, que s'ils avaient fait moins d'épisodes aussi dans les saisons 7 et 8 de God, c'était pour ramasser un peu le budget sur des épisodes, enfin, pouvoir contourner un peu les problèmes de budget qui est notamment de payer des acteurs à l'épisode pour pouvoir faire plus de choses. Donc, je sais pas, j'attendrai de voir la durée des épisodes avant de me prononcer sur cette histoire de 8, c'est moins que 10, on sait jamais. Mais après, toujours est-il que oui, le Valdarine, pour moi, ça fait partie, malheureusement, des choses qui peuvent couper si jamais ils en ont pas envie. Enfin, si jamais ils en ont pas le temps. Pas le temps, pas les moyens, ou s'ils considèrent que c'est un arc trop mineur par rapport à ce qu'ils essaient de raconter. C'est possible. Et je pense qu'effectivement, si tu dois faire sauter une des grandes couronnes, le Valdarine s'y prête pas si mal que ça, en fait. Malheureusement, parce que en plus de ça, les Arryn, c'est pas une famille qui a été tellement retenue par le public. Bon, enfin, si, mais c'est pas une famille que t'aimes autant que les Lannister ou autant que les Baratheon ou même autant que, aussi bien visualisé que les Tully. Je sais pas, je suis pas sûr. Du coup, voilà, j'ai une petite crainte là. Ça y est, ce trailer. Après, je sais pas. Tu vois, typiquement, et on nous le confirme sur le chat. Il y a quand même des grosses rumeurs qui disent que Jaina Arryn a été castée. C'est une actrice qui a joué dans Raised by the Wolves. Raised by Wolves. Qui aurait été castée. Je vais retrouver son nom de suite. Et puis comme par hasard, Raised by Wolves s'est arrêté l'année dernière, donc ça pourrait matcher.
Donc Gail Rankin. Non, attends, non, Gail Rankin, Gail Rankin, c'est Alice Rivers. Donc elle, on sait. Celle de Raised by Wolves. J'arrive. Après, pour combler le temps que tu cherches, je vois pas pourquoi il s'attarderait sur des choses comme les Bracken et les Nerbosk pour ne pas mettre le Valdarin. Je trouve que ce serait très étrange. Parce que les Bracken et les Nerbosk, ils sont divertissants. Non, et puis surtout parce que il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le conflant. Et je pense que pour rendre le conflant un peu intéressant, justement, avoir des familles un peu identifiables type Bracken et Nerbosk, qui en plus de ça sont rigolos, ça peut être une option, tu vois. Ce qui m'inquiète d'ailleurs, c'est qu'au-delà de la disparition de Jennarine, on peut aussi se poser la question des Manderly. Pour le moment, on ne les a toujours pas vus. Des annonces de casting, on n'en a pas trop entendu parler. Les Manderly, il y en a qui sont importants dans Feu et Sang, mais est-ce que pour autant ils sont importants au point d'être adaptés ? C'est pas dit. C'est pas dit, et je pense qu'ils peuvent faire partie des choses qui sautent. Après, quitte à me répéter, les trailers sont basés généralement sur les premiers épisodes, sur des choses un peu, pour le coup, qu'on connaît déjà. Et quand je vois le nombre de surprises qu'ils ont réussi à garder, bonnes ou mauvaises, mais le nombre de surprises qu'ils ont réussi à garder en saison 1, ce qu'on nous avait donné comme croquettes, même les leaks, tu vois. Genre, on savait qu'il y avait la bataille des degrés de pierre, mais concrètement, on avait vu 3 pégus sur la plage. Enfin, tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été gardées un peu secrètes. Tu vois, il n'y a pas eu une seule image promotionnelle avec le masque de Viserys, et pourtant, c'est une image qui pourrait tuer en promo, tu vois. Mais y a quand même, ils savent en garder sous le capot pour pouvoir surprendre les spectateurs plus tard. Surtout que c'est aussi une de leurs marques de fabrique. Je ne suis pas trop inquiet non plus. Voilà. Non, et puis c'est une de leurs marques de fabrique, hein, la surprise. Ils ont besoin d'en garder, sinon ils sont... Bien sûr. Enfin, voilà, sinon ça marche plus, on regarde plus leur série, en fait il n'y a plus besoin. Et pour répondre à ces... Et donc c'est Amanda Collin, le nom de l'actrice qui serait castée pour jouer Jane Arryn et qui a joué dans Raised by Wolves, mais ce n'est pas c'est une rumeur et ce n'est pas confirmé les producteurs. Après, souvent, ce genre de rumeurs, elles sont vérifiées à la fin, quand même, parce que typiquement, pour Kregan Stark, ça tournait depuis à peu près autant de temps que Amanda Collin, et Kregan, ça a été confirmé. Donc c'est, enfin voilà, il y a quand même des grosses grosses chances qu'on la voit. Eridan. Du coup, je disais, pour répondre à Stefou 77. Théoriquement, le voyage de Jace quand il quitte Père Dragon, c'est pas juste aller dire coucou à Kregan Stark, c'est de passer d'abord aux Aériens pour essayer de ramener les Arryn, puis ensuite de passer à Blanport pour essayer de ramener les Manderly, et enfin de passer à Winterfell pour rallier les Stark. Après, peut-être normalement, que... des Manderly, on doit en avoir dès cette saison-ci. Et en plus de ça, les Manderly, très très vite, ils envoient du monde à Rhaenyra. Ils lui envoient ses deux héritiers, histoire de commencer à peser point de vue politique. Donc, typiquement, nous, les Manderly, on les attendait maintenant. On a envie de les voir, les Manderly. Ils sont cool, les Manderly. Oui, mais alors après, peut-être que justement, cette histoire de funérailles fait qu'ils auraient changé un peu la timeline du voyage de Jace. Genre, t'envoies Jace au nord et tu lui fais faire le reste de sa petite tournée dans Westeros un tout petit peu plus tard, ou quelque chose comme ça, quoi. Je sais pas. Peut-être qu'ils vont lui refaire faire un petit crochet et qu'on verra les autres soutiens un peu après. Ou alors il y a téléportation à nouveau, mais enfin, ouais. Voilà, bref. Ça vole vite un dragon, ok ? Alors, plus vite ou moins vite qu'un corbeau ? Passons à la suite. Et la suite, ce sont les Bracken et les Nerbosk. Oui, on a déjà un peu anticipé en parlant de ça. Moi, je suis très content de voir des Bracken et des Nerbosk. Ça me fait toujours un petit quelque chose dans mon cœur. On a aussi la confirmation du coup que le personnage qu'on avait vu dans la première bande-annonce était Bracken, parce que pour le coup, on n'avait pas le blason dans la première bande-annonce. Et c'est une Bracken, si on ne dit pas de bêtises, mais je ne suis... Voilà. Moi, j'ai entendu dire qu'effectivement, c'était une Bracken depuis le début. Alors, très honnêtement, je ne sais pas.
Je ne sais pas si c'est un Bracken ou une Bracken. Je faisais quand même la remarque l'autre jour et je maintiens que les Bracken, en termes de féminisme, ils lorgnent plus sur la ceinture de chasteté que sur la suffragette. Mais du coup, j'ai du mal à penser que les Bracken peuvent tolérer qu'une de leurs filles vire chevalière, chevaleuse. Chevaleresse. Enfin, ouais. Après, je trouverais ça rigolo dans l'idée, tu sais, d'équilibrer un peu la balance, si c'est ça le but. Hein. Je fais quelque chose de très hypothétique. Dans la saison 1, c'était vraiment, tu sais, le Bracken, le gros lourdeau con et le nerbos que le mec sympa. Je trouverais ça rigolo, vu que normalement, c'est deux familles où on sait jamais un peu qui a commencé à chaque fois, que cette fois-ci, ce soit l'inverse, parce que juste, il y a une femme qui a une armure, les nerbos, il y a des nerbos qu'en face qui se foutent de sa gueule. Tu vois, je trouverais ça plutôt malin, tu vois, pour revenir sur un espèce d'équilibre entre les deux. Bon, voilà. Après, cette scène, ça sera peut-être pas juste pas du tout ça, mais bon, on verra. Tu essayes de trouver des justifications aux Bracken, Chris. Les Bracken sont les méchants, ce sont les lourdeaux, c'est tout, voilà. Dès qu'il y a une... Les nerbos qui sont quand même un poil lourdeaux aussi. Mais attends, Eridan, Aegon, il est lourdeau aussi. Ça m'empêche pas d'apprécier de le voir. Je m'en ferai pas un pote, mais... Merci, heureusement. Faut mieux pas. Franchement, si tes potes ont les mêmes passions qu'Aegon, en tout cas, surtout les passions pour les combats de petits-enfants, faut s'inquiéter quand même. Hein. Je veux dire, c'est une passion comme une autre. Hein. Vraiment, je vois pas ce que t'as à lui reprocher. Bon, on peut passer à la suite, je pense. Les Bracken et les Nerbos. Voilà. On est content, on sait qu'il y a des choses qui vont se passer dans le conflant, et il y a d'autres images d'ailleurs qui vont venir juste après, je Exactement. Crois. Exactement. Qui nous confirme, en fait. Qui voilà. nous amène à Arenal. Ah, on est d'accord, on reconnaît bien Arenal. Comment il est là, bien fait ce plan moins, mais... C'est un poil flou, mais là, on voit l'Oualdieu et Arenal de fou, quoi. Et l'île aux faces, a priori, quand même. Hein. Et ouais. Enfin, du moins, on peut l'espérer. Il y a des chances. Il y a des petits arbres un peu rouges, en plus, ça fait bien Baral, ça fait bien île aux faces. Non, mais c'est cool, ça va être bien. Ça va être bien. Je suis content de revoir le conflant. Ça m'avait manqué dans la saison 1. Pas assez de boue, pas assez de pluie, pas assez de malheur. Parlons-en de la pluie, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on ramasse dans la tronche, hein, puisqu'on a des images. Je crois qu'on les a classées plus tard, mais elles y sont. Elles arrivent là un petit peu après, normalement. Ouais. Le dragon, j'avoue que j'ai un doute dessus, et franchement, j'ai pas envie de jouer au jeu de alors c'est lequel celui-là ? J'en sais rien, très honnêtement. Dans la théorie, je dirais bien que c'est Caraxès. Mais d'un autre côté, ça ressemble beaucoup à un autre dragonneau qu'on verra plus tard, donc. Mais ce sera pas par rapport. Je me suis demandé si c'était pas par rapport à Orti, mais. C'est tôt, hein. C'est tôt. Ça me semble tôt aussi, mais bon. Et tu dis que c'est des plans qui viennent essentiellement des deux premiers épisodes. Là, en plus, on parle d'un plan. Non, mais là, possiblement, ça peut être un plus loin quand même. Hein. Enfin, tu vois, ils peuvent aussi avoir quelques plans préparés et qui nous mettent les pistes. Hein. Faut pas. L'arrivée de Daemon à Arenal, pour moi, c'est dans le premier épisode. Hein. De toute évidence. Ah, là, non, pour moi, c'est dans le 2. Ah non, c'est dès le premier. C'est pratiquement par ça que s'ouvre le chapitre. Donc. Ouais, mais alors attends, juste pour reprendre, je pense que d'un point de vue de la chronologie de la série, à mon avis, Daemon, ils vont l'envoyer dans les souterrains à un moment. Je pense qu'on va être obligé d'en passer par là pour que le lien se fasse entre. Il y a une image plus tard qui moi me fait dire qu'il va aller dans les souterrains. Pour moi, il faut au moins qu'il fasse la transaction. Il faut au moins que s'ils inculpent pas les Noirs avec ça, ben à ce moment-là ils ont perdu quoi. Enfin, je veux dire. Et pour moi, il y a une image assez claire qui montre qu'il est dans des souterrains en tout cas. Soit il est dans des souterrains, mais il faut qu'on le voit à Port-Réal ou en train de faire un truc, tu vois. C'est obligé. Ça passe par lui. Il connaît les souterrains, tu vois. Il peut faire un arrêt par Port-Réal et ensuite aller te conquérir à Arenal. C'est pas un problème. Tout ça dans la même journée, dans le même épisode, tout va bien, tu ça vois. Ça fait beaucoup de choses dans un épisode, quoi. Pour moi, Arenal, c'est un épisode 2 plus qu'un épisode 1. Mais ça reste dans l'épisode 1. On verra. La battle. Après, j'ai envie de te dire, c'est aussi parce que quelque part, mon petit cœur de fan se dit mince, si dans l'épisode 1, t'as Jace qui arrive à faire l'aller-retour, Père Dragon, Winterfell,
sans toucher terre pratiquement, et que par contre Daemon, lui, il lui faut 2 épisodes pour arriver jusqu'à Arenal. Bah mince, il y a quand même un problème au niveau. Non, 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 mais il va. Non, bon. Non, on le voit dans des souterrains à un moment, Daemon. Donc il va faire un petit arrêt au stand quand même, a priori. Bah, je suis pas forcément d'accord avec vous, mais on y reviendra quand on reverra cette image justement. Voilà. Vas-y, enchaîne. Sinon, sur le chat, le Tibbs nous dit Amanda Collins joue à Jaina Arryn. Donc on l'a déjà dit il y a quelques minutes, mais non, si peut-être, mais en tout cas c'est une rumeur qui n'est pas vérifiée, ce n'est pas officiel. Donc il y a des chances, mais on ne sait pas. Donc à notre connaissance, peut-être, mais en tout cas on ne s'avance pas sur la chose. C'est une Jaina Arryn de Schrödinger pour l'instant. C'est ça. Exactement. Contrairement à Arenal, du coup, qui clairement est bien là. On ne sait pas dans quel épisode, mais en tout cas, on verra Arenal. Et on va voir de la bagarre aussi. Prochain item. Hop. Bon, les fameuses arbalètes de Ron. Il faut qu'on en parle. Non, bah alors là, pour le coup, il y a un lien avec la série mère qui se fait, puisque peut-être qu'on va enfin voir les balistes qui sont un peu retrouvés dans les souterrains par Cersei. 170 ans avant, ça veut quand même dire que Qyburn n'a rien inventé, quoi, à un moment donné. Bon. Bah, il a lu un bouquin, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Bon, après ça, pour le coup, c'est le système défensif classique anti-dragon. Hein. Ça fonctionne pas très bien, mais il faut le faire si tu veux sauver ta life. Sur un coup de peau, ça peut marcher. La preuve, on l'a vu dans God. Ils avaient oublié, ok. Ah bon. Non, mais bon, voilà, du coup, je pense qu'il va y avoir des survols qui vont faire un peu peur. Je sais absolument pas où situer ce type d'image, tu vois, par exemple, si c'est... Parce que, bon, un dragon qui passe au-dessus de Port-Réal. On a une image de Port-Réal à la fin du trailer vert aussi. Je pense que ça doit être à peu près dans la même séquence. Sachant que là c'est trois images-là, là. Ouais. Elles peuvent être placées n'importe quand. C'est ça. T'as l'impression qu'ils sont quand même pas bien pressés, tu vois. Ils se préparent parce qu'il faut se préparer, parce qu'on sait que ça va nous tomber dessus à un moment donné. Mais ils sont pas dans le rush du « Oh mince, on a une bestiole ailée qui nous tombe dessus ». Moi, j'ai bien aimé un petit détail sur l'armure des chevaliers, c'est que on voit le feu vert. Il y a une flamme verte, ouais. Ouais, il y a des flammes vertes. Il y a des flammes vertes. Ils sont en train de se transformer en... en World of Warcraft, tu sais, vers des flammes, des machins, des trucs. Mais non, mais c'est parce que tu sais pas de quelle couleur brille le phare de la citadelle. Non, pas de la citadelle, pardon. De la grande tour chez les Hightower en période de guerre. Ben voilà, ça brûle en vert. C'est une petite référence à la saison 1, c'est mignon. Non, mais oui, non, mais j'avais compris. C'est juste que s'ils commencent à pimper les armures avec des flammes, on va commencer à passer sur du tuning, quoi. Ah bah, pas de soucis. Bon, du coup, en plus de ça, on fait du cheval, avec des beaux chevaux bien armés. Contre, pour moi, c'était vraiment un autre moment. Ah oui, c'est pas on est vraiment ailleurs. Clairement, on est ailleurs. Là, on est ailleurs. Moi, ça m'évoque pas mal, pour le coup, la bataille du bois au Murmure de la saison 1 de Goth. Il y avait un peu ce genre d'environnement, parce qu'ils avaient tourné un peu tout dans la même forêt. Donc, je trouve que la forêt fait pas très conflant. Elle fait forêt de résineux, mais bon. Ah, mais c'est normal. Pour faire galoper les chevaux. C'est normal. Forêt de résineux, pour le coup, là, c'est tout à fait dans le thème. Parce qu'à mon avis, là, on est au niveau de repos des freux. Donc, à un moment donné, dans la danse, tu as Aegon II et Criston Cole qui se disent « Hey, on va aller punir les Noirs dans les terres de la couronne. » Et effectivement, ils vont passer par Sombreval, déjà, pour commencer. Et ensuite, ils s'attaquent à repos des freux. Et on est près de la presqu'île de Claquepince, donc un endroit où il y a pas mal de résineux. Donc non, c'est plutôt dans le thème, ça, pour le coup. Moi, je me demande dans quelle mesure, là, pour moi, t'as un garde royal, et à mon avis, c'est Criston Cole, et une espèce de chevalier Hightower. Est-ce que c'est Gawain Hightower ou un autre? On n'en sait rien. Je sais pas, mais il a l'air bien rouquin, donc je pense qu'il y a des chances que ce soit Gawain. Et à mon avis, on est à repos des freux, ils sont en train de se faire attaquer par un dragon, et histoire de baisser un peu le budget... pour que la bataille ait l'air d'une bataille, mais qu'en même temps, on reste à hauteur humaine et qu'on ne s'embête pas trop avec trop de figurants et trop de complexité.
eh ben, ils vont faire en sorte que les mecs se réfugient dans la forêt, histoire de se dire, on est protégé, le dragon nous voit plus, on va mais pouvoir s'enfuir. Un dragon, s'enfuir. Ça fait du feu. Et oui, ouais, c'est un peu bête, oui. ça, c'est l'image qu'on a vue, on le voit, le dragon qui survole la forêt un peu plus tard. Justement, c'est pour ça, c'est qu'il y a plusieurs images qui sont en lien avec ça, et je me demande si c'est pas une stratégie un peu foireuse, il est vrai, mais pour essayer de se défendre du dragon et de se cacher du dragon. Alors du coup, on nous dit sur le chat, mais il y a eu une bataille du bois au murmure dans Goth ? Non, on voit rien, mais non. C'est juste que la forêt dont on sort, où tu sens qu'en fait, la saison 1 de Goth, elle est tournée un peu... tu sais, quand ils ont une forêt, ils tournent tout dans la même, et du coup, c'est censé se passer dans le conflant, mais tu vois bien que c'est la même forêt que celle où ils trouvent les loups, tu vois. Et bon, voilà, on le voit juste sortir de la forêt, mais ça m'avait marqué. Sans doute parce que j'ai vu 14 fois les épisodes de la saison 1, c'est une possibilité. On nous dit que c'est Aslamonde qui nous dit qu'elle est contente qu'il y ait des armées, des batailles terrestres, ouais. Et pas que des batailles de dragons. Effectivement, oui, il faut aussi un peu de sang et de boue, quoi. Un truc un peu à hauteur d'homme. Du conflant. Non, et puis il faut ce qu'il y a surtout, c'est que oui, si jamais tu fais que des batailles à d'autres dragons, putain, les autres personnages ne servent à rien. Et c'est tout l'enjeu d'adapter, je trouve, la danse des dragons, c'est de réussir à faire en sorte que les personnages qui restent au sol et qui ne sont pas dragonniers ne soient pas inutiles, parce qu'on est quand même en train de parler de gens qui ont des putains de bombes nucléaires, enfin ils sont assis dessus, quoi, tu vois. Donc il faut. Tant mieux. J'espère qu'ils vont vraiment réussir à faire en sorte que ces enjeux humains ils soient quand même présents, même si bon. On a bien vu que le couronnement d'Aegon n'allait pas trop dans ce sens-là, mais... Non, mais à un moment donné, c'est aussi important de rappeler effectivement que la guerre, et notamment la danse des dragons, ne se gagne pas qu'avec les dragons, justement. Donc, ouais, les mecs au sol sont importants, et pas qu'un peu, en fait, finalement. Bon, alors là, on a d'autres mecs au sol qui ont l'air d'attendre les dragons, pour le coup. Et puis on a Christian Cole qui est vénère, c'est le truc décapiter. Oui, c'est pas qu'il décapite quelqu'un à ce moment-là, effectivement. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc où il lève son épée sur un espèce de ponton. Je crois que c'était dans la bande-annonce d'avant, du coup, pour le coup. C'était dans la première bande-annonce. Moi, il me dit rien, cette image-là, pour la bande-annonce d'avant. Si, si, oui, il décapitait quelqu'un, on savait pas très bien ce que c'est, qui c'était. Si, si, elle y était, ouais. Là, effectivement, il a la même petite coiffure. Moi, j'aimais mieux sa petite coiffure d'avant, je vous avoue. Mais moi aussi. Moi, il ressemble de plus en plus... oui, on commence à mettre des points comme ça. Bah, bravo. Allez, plus 10 aura que le remettre. Bon, bah là, je pense que Kristen, il va s'envoler. Hein. Heureusement qu'il y a Gwyn Hightower qui arrive à jouer par Freddy Fox. Oh là là. Bon, et puis surtout, aura que le remettre, il y aura Aegon quand même. Oui. Non, la bataille va être un peu plus serrée cette année, c'est clair. Bien charger les noirs à l'épisode 1. Je m'étonne. Je suis d'accord avec le Tibbs 1. Je ne sais pas comment ça se prononce. Effectivement, on peut penser que c'est soit la fin du sac de Sombreval, cette image, soit alors que c'est le moment où Criston se dit « Hey, on a des prisonniers dans les geôles, ils avaient l'air de bien aimer Rhaenyra. On va les raccourcir tous d'une tête !» Voilà, on sait pas trop, mais du coup, voilà, ça peut être un de ces deux moments-là, à mon avis. Je sais pas, parce que moi, la séquence... Alors, on est d'accord que... Attends, est-ce que tu peux remettre l'image d'Infa, vite fait? Ouais. On est sur un bord de mer ou on est sur un bord de lac, en fait? Parce que... Non, c'est du bord de mer, ça. Ça fait du bord de mer, ça. Hein. Ouais, c'est du bord de mer. Ça ressemble à un ponton. Ouais, non, mais parce que comme on avait pas mal d'images de lac dans la précédente bande-annonce, je m'étais posé la question, justement, avec l'image de la précédente bande-annonce, si c'était pas plutôt un bord de lac, mais non, c'est un bord de mer, effectivement. Après, ça répond pas à la question. Sombreval, c'est un port comme Port-Réal, donc au final, voilà. Où est-ce exactement, on saurait pas dire là tout de suite. On verra. Hein. Ouais, oui. Attends, ça, c'est gros, la bataille de la forêt. C'est vrai. Regarde ces petits chevaux, là, ils sont très, très mignons quand même. Moi, j'aime pas les batailles avec des chevaux, parce qu'après, les chevaux, ils meurent, et ça me rend triste. Voilà. Ah. Oh, il a changé le petit beau gosse mignon du 1. Il est un peu vénère, ok. Ok, moi 10 points. Après, je trouve ça vraiment rigolo. Hein, que... Enfin, pour le coup, je trouve pas forcément que le personnage est ultra bien géré en saison 1, mais je trouve ça vraiment marrant d'aller à fond dans ce truc-là.
Il a un très joli collier, on est d'accord. Il a un beau collier, ouais. Tout à fait. Avec des beaux petits maillons, plein de mains. Donc oui, là, c'est pour ça que, enfin, repos des freux, hein, vraiment, en ce moment-là, parce que il est devenu main du roi à ce moment-là dans le livre, et effectivement, ce collier-là, c'est une évocation du collier qui existe dans le bouquin, dans l'intégrale 3, et avec lequel Tyrion tord le cou de Shae, donc... Il n'existe pas dans, dans la série, ils ne l'ont pas fait dans la série. Dans la série, ils mettent moins le focus sur le collier, parce qu'en fait, il y a le petit badge de main du roi qui commence avec Ned et qui ensuite les suit tout du long. Et t'as le pins, là. Du coup, je me souviens plus de la scène où Tyrion tue Shae, si c'est effectivement avec ce type de collier ou si c'est juste à main nue, je me souviens plus de la scène. Je l'ai vu qu'une fois parce qu'elle m'avait énervé. Donc... C'est avec un collier, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que c'est un collier fait de petites mains du roi? Je ne sais plus. Le Tips nous dit qu'il la porte une fois. Donc peut-être que si, peut-être. On ne sait... okay. Eh bien, on ne sait pas. Bon. Oui, parce que dans la série, ils ont abandonné tout le côté. C'est la chaîne de la main et la chaîne qui l'a autour du cou. On nous dit en saison 2, pendant la bataille de la Nera, qu'il aurait cette petite chaîne à main. Bien possible, effectivement. Oui, ça me dit quelque chose. Oui, ça me dit quelque chose aussi, ouais, maintenant que j'y repense. Sur son armure, là. En tout cas, il n'a pas l'air content, petit Criston. Et là, je pense qu'on a quelqu'un qui n'est pas content non plus sur son dragon. Alors, je crois qu'il nous manque une image, et c'est très dommage d'ailleurs, c'est l'image de la dragonnière de ce dragon. Elle doit être un peu plus loin dans notre thème dragon. Alors, je vais quand même le placer là tout de suite. A priori, cette dragonnière, si on a bien regardé, si on ne se trompe pas, c'est Baela Targaryen. Et du coup, le dragon, ce serait dans ce lune. Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est-à-dire qu'à repos des freux, elle n'est pas du tout censée être là, en fait, à la base. Donc, qu'est-ce qu'elle fait là? J'en viendrais presque à me demander si elle ne va pas reprendre le rôle de Rhaenys. Bah, c'est pas impossible. Après, je me dis... est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous faire des trucs, alors qu'en réalité, ça va juste être une scène d'escarmouche où ils vont échapper à un dragon? Bien sûr. Et en fait, ça ne sera même pas repos des freux, tu vois. Autre chose, quoi. Là, on se lance dans des hypothèses complètement hasardeuses, hein, je suis bien d'accord. Enfin, je dis ça, j'ai aucune preuve à l'appui ou même indice à l'appui. Mais ça me surprend un petit peu. Voilà. Donc, je me permets de l'évoquer. Et d'un certain côté, je pourrais comprendre qu'on essaye de troquer... Rhaenys contre Baela parce que Rhaenys est un personnage cool et j'aimerais bien que Rhaenys tienne quelques épisodes avant de nous quitter. Écoute, on verra. Suspense. Voilà. En tout cas, ce plan est très très charmant avec ce petit côté dragon papillon là qui marche très très bien. D'un côté, il marche très très bien, et de l'autre, typiquement, là, tu sens la patte de Ryan Condal quelque part. C'est-à-dire que, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, aller dans les bois pour se cacher d'un dragon, c'est pas très malin quand même. Mais par contre, ça amène à des plans qui sont vachement chouettes. Donc je me demande dans quelle mesure, une nouvelle fois, on va pas avoir des plans qui seront très 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 jolis, mais avec une logique qui par moment va être très 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 faible. Je m'interroge. Alors, je pense, dans ce cas-là, je pense que tu confonds Condal avec les Réals. Et pour le coup, on en a perdu un. On en a perdu un, on a perdu sa poche Nick. Et c'est Alan Taylor qui reprend. Alan Taylor, on lui doit le Suicide Squad. Hein, donc, c'est plus un faiseur qu'autre chose. Après, Alan Taylor, je pense pas qu'il faille le blâmer. C'est vraiment. C'est le mec qui a réalisé Thor 2, c'est le mec qui a réalisé... Enfin, tu vois, c'est vraiment un mec, on va le chercher quand on a besoin de quelqu'un. L'avantage qu'il avait pour House of the Dragon, c'est qu'il avait déjà bossé avec... C'est un réalisateur historique d'HBO, quand même. Mm. Et il avait déjà bossé sur Game of Thrones, donc quand il a fallu trouver un successeur à Sapochnik pour être... Alors, il n'est même pas co-showrunner. Non, il n'est pas co-showrunner. Sapochnik était co-showrunner, mais lui ne l'est pas. Mais qui en gros va reprendre, je pense que c'est lui qui a repris quand même le travail de
tout ce qui était plus de la réal, mais pas forcément de l'écriture, du poste de showrunner de Sapochnik, c'était logique d'aller chercher quelqu'un comme ça. Mais du coup, ce n'est pas Kandal. Kandal, il est vraiment à la l'écriture pure, plus que à la réal. Je pense que c'est écriture, coordination, et c'est lui qui doit avoir le director's cut derrière, quoi. Ouais. Mais voilà. Ouais, mais c'est pas lui qui a la beauté de l'image derrière, quoi. Ouais, mais c'était son truc de faire des batailles. C'est bien lui, on est d'accord, la bataille des bâtards à la base. Mais non, Kandal, c'est le Kandal, c'est vraiment, c'est l'écrivain, c'est le scénariste, Kandal. Il est scénariste. Ah, pardon. Kandal, il n'était pas du tout sur Got. Non, mais par contre, tu penses, c'est bien Sapochnik qui a fait les grosses batailles. Tu penses à Sapochnik. Et Sapochnik était co-showrunner avec Ryan Kandal en saison 1. Mais ça, je me souviens. Okay. Et donc Sapochnik est parti, notamment, on ne sait pas trop, mais peut-être pour des histoires de drama avec sa femme qui voulait surpayer sur le plateau et les autres ont dit non. Enfin bon, bref, en tout cas il y a eu des rumeurs un peu cheloues là, des rumeurs de couloir autour de la femme de Sapochnik. On ne sait pas trop. Qui s'est quand même retrouvé avec des postes assez importants sur la première saison. Après, Alan Taylor, quand il peut être très bon, il est très bon. Hein, je veux dire, l'épisode 9 de la saison 1 Game of Thrones, c'était lui aussi. Hein, donc, ça dépend plus de son cahier des charges que de. Si le cahier des charges est nul, il fera des trucs pas très bons. L'épisode Suicide Squad, il pouvait pas être bon, c'est pas possible. Je veux dire, ça part tellement dans la connerie du mode on va faire les 7 mercenaires, mais en mode nul, avec Jon Snow. Bah non, en fait. C'était le scénario le problème là, c'était pas la réal. Bon allez, voilà. Passons à alors, sur le chat, on nous dit quand même que possiblement la présence de Bella pourrait être pertinente pour être témoin du fight de Rhaenys et pour avoir la vision du deuil à ce moment-là. On nous dit aussi, mais Dansune est vraiment très très grosse par rapport au roman, non ? Ils sont en train de rajouter des personnages partout parce que sinon les persos n'ont pas les infos pour agir, tu sais. On fait un peu rigoler. Ouais. La taille des dragons, c'est compliqué. En plus, là, c'est des images. Je sais pas. Je vais être honnête, je sais pas. C'est vrai qu'a priori, Dansune n'est pas très très gros. D'un autre côté, dès la saison 1, on nous dit qu'elle est dragonnière et on ne sait pas quand est-ce que son œuf a éclos. Donc, je ne peux pas dire, moi, la taille des dragons. J'ai aucune idée. Mais du coup, ça tombe bien, notre prochain point, c'est dragon. Paf. Et c'est qui C'est qui, Coriagron? Ah ouais. Bon, celui-là, on le connaît quand même. Hein. Bon, on le devine. Oui, oui. Ça, oui. C'est Feu du Soleil. C'est le dragon d'Aegon II. Du soleil le doré, le plus beau dragon de son temps. Et effectivement, quelle belle bête. C'est une belle bête, hein. Enfin, vrai que... C'est le truc que les gens attendaient beaucoup, je pense. C'était Feu du Soleil. Ouais. Ah oui, non, mais clairement. Sunfire, pour les anglophones. Rien qu'à son petit nom, Sunfire, ça fait quand même tellement stylé que voilà, quoi. C'est la classe. Et là, on va pas se mentir que cette image, elle pète. Oui, un peu. Donc voilà, et c'est là où on voit Baela. C'est celle-là que tu voulais. C'est celle-là que tu voulais. Ah bah voilà. Oui, donc on est d'accord que c'est Baela. Enfin, bon, oui. Elle fait un peu la grimace là-dessus, c'est vrai. Bon, alors c'est un peu moche, hein, ce petit guidon là, ce petit guidon de vélo sur la selle. Je ne suis pas sûre que je valide le design. Elle a le après, même c'est marrant. Ce n'est pas le même. C'est pour ça. Après, c'est marrant, je trouve sa tenue rappelle vachement Daenerys saison 8, si je dis pas de bêtises, avec cette petite chaîne, avec cette cape. Ouais, c'est vrai. Et donc là, a priori, c'est... lui, ça va, hein. C'est croque-mou. Ce serait son... Ce serait son dragon à elle. Ça doit a priori, être dans, ça c'est dans lune, non dans lune. Ça, c'est dans lune. A priori. Bah, vu les plans qui suivent, on pense ça, que vu c'est les dans plans, lune. Vu les plans, tout ça, ça semble être dans lune. Là.
On le voit redescendre justement sur la petite forêt. Ah, c'est ça, et c'est la cape, le truc rouge. Mmh. D'accord. Une toute petite cape. C'est la petite cape, d'accord. Bah, du coup, il est pas immense dans ce lune. C'est pas non plus. Genre, c'est un très gros cheval, mais c'est pas vagar, quoi. Si on compare par rapport à la taille de la cape et la taille de la queue du dragon, ça reste un très 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 grand cheval, mais pas un mastodonte. De toute façon, je me demande... la taille des dragons, ça a toujours été un peu un problème. Ouais. Enfin, quelqu'un faisait remarquer dans la saison 7, si je dis pas de bêtises, que oh là là, dis donc, Drogon, il a l'air d'être pratiquement trop grand pour Fausse Dragon. Et c'est vrai qu'en fait, les échelles de taille des dragons, ça a toujours été un petit peu compliqué à gérer pour eux. Quoi. Alors on nous demande si Dansune n'est pas bleu dans Feu et Sang. Vert avec des griffes nacrées, si je me souviens bien. C'est plutôt un belle bait. Là, moi, je le trouve jaune, mais je les trouve tous un peu jaunes, en fait. Après, il y a l'espèce d'étalonnage sépia qu'ils ont par-dessus, qu'ils ont depuis la saison 1. Oui, puis même avoir un espèce de côté où c'est en fait un espèce de reflet vert, mais un petit côté de dinosaure n'est pas non plus déconnant. Hein, que les couleurs ne soient pas non plus super flashy. Ça reste des dragons, quoi, ça reste des animaux. Mais justement, moi je veux voir point du jour un dragon qui est tout rose. Oh là 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 là, j'ai hâte de le voir, ça va être trop rigolo. Il va être juste couleur chair, tu vas être tellement déçu. Ah ouais, non, attends, il est rose avec des cornes noires, s'il te plaît. Oh, mais après, sur les échelles de dragon, je pense que ça avait été un problème. Hein. Ils l'ont dit quand même. Ils ont dit, entre autres, je me souviens que la saison 1 elle avait été retardée parce qu'ils avaient des problèmes sur les images de synthèse des dragons. Et en fait, le problème qu'il y a avec ce type d'image, je pense, je peux me planter, hein, mais c'est qu'elles sont générées. Dans Game of Thrones, elles étaient générées quand il y en avait besoin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la question, je pense qu'ils se posaient moins la question de la taille par rapport au bâtiment, par rapport au machin. Là, il faut les faire rentrer dans Fausse Dragon, il faut les faire casser Fausse Dragon dans le truc avec Mélèze, par exemple. Il faut les faire atterrir sur des bâtiments beaucoup plus, passer au-dessus de la ville. Ils sont beaucoup plus en interaction que avec leur environnement que dans Game of Thrones. Donc je pense que les échelles sont un peu plus correctes que dans Game of Thrones, où pour le coup, on mettait les dragons quand il y en avait besoin et on n'allait pas payer des mecs pour faire des designs qui servent à rien. Quoi. Après là, tu vois, quand on voit Vagar avec micro-mini Aemon dessus, on voit quand même très clairement que c'est pas la même taille que quand on voit Bella sur sa selle. Hein. Là, il y a quand même une vraie différence d'échelle. Hein. Entre les deux, il n'y a pas photo. Sur les deux images, tu vois clairement qu'il y en a un plus petit que l'autre. C'est pas... Ah oui, oui, oui. Bah là, pour le coup, Vagar. Vagar, ils ont fait... voilà. Tu viens de la traiter de pélican. Mais ouais, parce qu'elle a vraiment une poche, t'as envie de la... Tu sais, elle a la poche en dessous, et du coup, t'as envie de le remplir avec du poisson, je trouve. Non, mais un dragon avec un goâtre, quoi. Non, mais franchement... C'est mamie, ok. Mamie Vagar. Ah ouais, non, mais c'est tellement mamie, c'est trop bon. Les meilleurs yaourts qu'on connaisse. Mais j'ai l'impression qu'ils lui ont quand même mis des rustines au niveau de ses ailes et qu'elle a un peu moins de trous. Elle a moins de trous, effectivement. C'est vrai qu'elle a moins de trous, là. J'ai l'impression. Elle a moins de trous, peut-être, ouais. Mais ceci dit, dans le trailer d'avant, elle avait des gros trous. Donc je sais pas. Peut-être parce que là, dans le trailer d'avant, il y avait vraiment des trous de partout. Bah ouais, tu voyais que la membrane était bien déchirée, quand même. Là, c'est Caraxès. Bah, justement, en parlant de Caraxès, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ils avaient annoncé, tu sais, qu'il y avait un peu trois familles de physiques de dragons pour la série. Alors, j'ai l'impression qu'on va avoir des dragons qui vont ressembler un peu à Vagar, des dragons qui vont ressembler un peu à Syrax. Mais j'ai l'impression que Caraxès restera l'unique représentant de son truc. J'ai l'impression qu'on verra, à mon avis, on verra pas d'autres dragons comme lui. En même temps, ça doit être vachement chiant à animer parce que ce coup est beaucoup trop long. Là, ça, du coup. Et après, on a Seasmoke normalement, non? Ouais. C'est Seasmoke. C'est celui-là. Ouais, c'est ça, c'est Seasmoke. Donc, qui est gris. A priori, oui, ce serait Plumée des Mers. Ouais. Et donc là, on a déjà vu, c'est le dragon de Laenor Targaryen, Laenor Vargarion, Velaryon, pardon. Vargarion, ça va, je ne sais plus parler. Vargarion. C'est Betio là.
Donc c'est le dragon de l'Enor, mais l'Enor n'a plus de dragon, et du coup, peut-être qu'il aura un nouveau dragonnier. Peut-être. Est-ce que tu crois qu'on peut faire un chaussette de l'archiduchesse avec Duncan Targaryen et l'Enor Velaryon? Velaryon est un Valyrien, mais les Targaryens sont... Enfin, un truc comme ça. On va y réfléchir. Oui, pardon, vous êtes en train de me perdre. Et on nous demande pourquoi ce serait fumée des mers, pourquoi ce serait Sismoke. Parce qu'a priori, sur les deux plans où on le voit, il ressemble à celui qu'on a vu dans la saison 1, je crois. C'est ce que j'ai lu. C'est ça. Oui. A priori, il ressemble. Là, on nous dit, mais ça n'a aucun sens ce trailer. Mais tu sais, un trailer, c'est fait pour te mettre des images et te donner envie. Ce n'est pas fait pour te raconter l'histoire que tu vas voir. Bah, après, je pense qu'on verra fumée des mers parce qu'ils vont s'attaquer. Je sais plus, j'ai pas suivi les annonces de casting et tout ça, mais on va s'attaquer à tout ce qui est des histoires de Karen, de machin, de trucs. Bien sûr, ouais, ils sont castés, les Karen. Ils arrivent déjà. On les a. Peut-être que ce serait aussi l'occasion, parce qu'il y avait eu cette espèce de trou à la fin de la saison 1, puisque le destin de Léonore avait été changé et qu'il n'était pas mort. Il y avait la question de est-ce que quelqu'un pouvait reprendre fumée des mers et tout ça. Peut-être que c'est la scène qui aborde ce point-là. On verra. Je suis assez convaincu de toute façon qu'ils ne trancheront pas sur le destin de Léonore et que ce sera juste qu'ils n'en parleront pas. Mais qu'effectivement, peut-être qu'ils vont quand même se demander... Enfin, de toute façon, il y a des dragons à père dragon qui attendent d'avoir un dragonnier, donc... Du coup, tu vois, on nous pose quand même plusieurs fois la question de savoir comment ils vont gérer l'allégeance de son dragon alors que Léonore n'est pas censé être mort. Honnêtement, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils vont en discuter. Peut-être que juste, ils en diront rien. Peut-être que dans le canon de la série, en fait, un dragon peut avoir plusieurs dragonniers. Peut-être que juste, le dragon peut considérer que son dragonnier est mort pour lui. Et puis voilà, si t'es mort pour moi, j'en prends un autre. Peut-être que les dragons peuvent avoir plusieurs dragonniers et c'est juste par convention humaine qu'on attend que l'autre soit mort. Quoi. C'est ça. Ils peuvent décider ça. Alors, ça a l'air d'être plus compliqué que ça quand même dans les livres, mais dans la série s'est jamais embêtée avec des choses de ce goût-là. Hein. On se rappellera quand même que dans la saison 8, Jon Snow chevauchera égal sans que ça n'émeuve personne. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il devient dragonnier et c'est même pas un événement, en fait. Donc, je sais bien que Oss essaye d'être un petit peu plus maligne que Gott sur plein de points, mais là-dessus, j'ai tendance à penser qu'effectivement, ils vont pas rentrer dans des grosses théories autour des dragons qui vont juste perdre les spectateurs. À moins que ça devienne un enjeu. C'est qui est supposé récupérer Fumée des Mers? Je me souviens plus. C'est un des Karen. Va prouver, soi-disant, qu'il est le fils de Laenor Velaryon, ou en tout cas celui de Corlys, bref. Je pense qu'effectivement, ils vont essayer de mettre quelque chose autour du fait que, oh là là, fumer des mers, c'est compliqué, etc. Il n'a pas envie de se faire chevaucher. Il se défend, parce qu'il ne faut pas oublier que la Semaison Rouge, il y en a 4 qui réussissent, mais il y en a... plein d'autres qui se font juste tuer dans la tentative, mais je pense pas qu'ils iront jusqu'à expliquer que ça veut dire que Laenor est mort parce qu'un dragon ne peut avoir qu'un seul dragonnier à la fois. Et pour répondre à Kate Ramos dans le chat, non, il y a bien eu une annonce de casting, il me semble, sur un Adam Velaryon. Adam Velaryon est casté. On va le voir ensuite. Et ce n'est pas l'acteur de Léonore, donc ce n'est pas le même. C'est vrai que ça faisait partie des théories à la fin de l'épisode, à la saison d'avant. Est-ce qu'ils n'avaient pas fait ça pour se le garder sous le coude? Mais dans les faits, non, je pense qu'il faut juste considérer que c'est une porte de sortie. Non, mais c'est bon, il est mort. Il est mort symboliquement pour le dragon, puis voilà. Il est parti tellement loin que le lien s'est effrité. Voilà. Non, je pense qu'en plus, je vais redire un mot là-dessus, mais il faut continuer à se réjouir qu'on puisse sortir un personnage d'une série Game of Thrones sans que ce soit par la mort, quoi. Exactement. Ouais, exactement. Et voilà, et on a fini notre petit point dragon. Alors on nous dit Daeron
et son petit dragon aussi, on veut les voir. Voilà, il y a le point d'Eron sur le chat aussi, ouais, qui revient plusieurs fois. Et là, pour l'instant, d'Eron n'est pas casté. Hein, et a priori, non. On ne le verra pas dans la saison 2. A priori. Il y a une réponse de Kondal qui est une vraie réponse de producteur qui nous dit « Il existe quelque part, il apparaîtra en son temps ». Ok mec, merci. Mais en fait là tu prends aucun engagement et tu nous dis pas que c'est pour cette saison-ci, ni que c'est pour la saison suivante, ni rien du tout. En fait, il essaye de nous faire patienter, hein, très clairement. Voilà, la question après c'est de savoir si ça va être comme les Tully, les Martell et les Greyjoy et où c'est adapté un peu plus tard avec quelques saisons de retard. Ou est-ce que c'est comme Cœur de Pierre et Faegon, Arianne ou Aeron Greyjoy et où au final c'est juste abandonné parce que on n'a pas le temps pour ça. Alors, après, il y a la question, je pense qu'il y a plusieurs interrogations là-dedans. D'une part, je pense qu'il peut... Il y avait une histoire à un moment où ils avaient dit, c'est sûr que si on est en 3 saisons, on ne le mettra pas. Mais par contre, si c'est en 4, on va se poser la question. Il me semble qu'il y avait eu une réponse comme ça à une époque. Je pense que c'était au moment de... avant la sortie de la saison 1, pour le coup. Et mais je peux me planter, hein. J'ai pas la source là directe, mais il me semble qu'il y avait eu une réponse un peu dans ce style-là. Et d'autre part, il se peut aussi qu'ils aient tourné des scènes avec Deron et qu'ils les aient coupées au montage à la fin. Donc je comprends que le mec il s'engage pas aussi. Ils peuvent décider que d'un point de vue de la dynamique ça fonctionne pas. Arriver avec les 8 épisodes sur le banc de montage, non, il faut virer quelque chose, ça sera ça. Ça peut arriver. Non, mais après, ce serait hyper chelou aussi de faire débarquer en saison 3 un nouveau fils de Alicent et Viserys. Genre, regardez, en fait, ils avaient un autre enfant. C'est quand même. Enfin, tu vois, genre, c'est les enfants. C'est quand même les enfants du couple princier. Donc, ça reste un poil chelou qu'on n'ait jamais mentionné le petit frère dans les repas de famille, quoi. Alors, après, ouais, je crois que c'était par rapport à ça qu'il en parlait justement en saison 1. Il disait, on l'a pas mis en saison 1. Si j'ai bonne mémoire, il est même pas mentionné. On l'a pas mis en saison 1 parce qu'on savait pas si on allait pouvoir l'utiliser derrière en fonction du nombre de saisons, en fait. Oui. Après, là, il sera peut-être dans des lignes de dialogue. Mais après, là, ils peuvent le mettre en ligne de dialogue sans qu'on le voit. Je suis d'accord. C'est ça. Ou faire une silhouette, tu vois. Oui. On a bien eu l'acteur qui faisait la silhouette de Gregor Clegane dans la saison 2 de Game of Thrones parce que l'acteur, il était parti et puis qu'ils en avaient pas encore casté un autre. Par contre, oui, mais je pense que en tout cas, s'ils veulent le mettre en saison 3 et qu'ils ont vraiment prévu de le mettre, au moins aux lignes du dialogue, on en entendra parler quand même. Tu vas pas te faire débarquer un fils de Alicent quand on est en mode allez, c'est la guerre, on compte nos pions, et on mentionne même pas le petit qui est à Villevieille, tu vois. Genre, il y a un moment, ça reste un poil bizarre dans les repas de famille de jamais parler du petit frère. Mais ça, c'est ce qu'on fait dans les livres. Mais dans la série, jusqu'à maintenant, t'as jamais eu un décompte de dragon. De la même manière, oui, je suis d'accord, il apparaît dans le générique, hein, c'est vrai. Mais bah, le générique, personne ne le regarde, il est tellement mal foutu que de toute façon, personne ne le comprend. Donc, en fait, pour moi, ils se sont vraiment laissé toutes les options ouvertes, comme dit Chris, pour l'adapter s'ils en ont besoin ou pour l'abandonner s'ils n'en ont pas besoin. Et de là à dire que, oh là là, c'est bizarre, ça va nous perdre si jamais on n'en a jamais entendu parler. Oui, enfin, en saison 3 de Game of Thrones, d'un seul coup, on découvre que Catelyn Stark a une famille qui jusque-là nous avait même pas effleuré, et ça n'a choqué personne. Ah bah tiens, elle a un frère et elle a un oncle, dis donc, on n'était pas au courant. Bah, ouais, mais oui, ça, bah, à la limite, c'est de la famille plus éloignée, c'est pas tout à fait le... Oui, mais c'est ça. Ils sont importants, mais enfin bon, ils s'habitent pas au même endroit, tout ça, tu les... C'est pas... C'est, bah, c'est... D'Aeron non plus. Bah, Tyrone non plus, mais c'est quand même le fils, c'est le fiston de tout le monde, quoi. Enfin, c'est le fiston d'Alicent. Alicent qu'on te présente comme la mère, etc., quoi. C'est pas, pour moi, c'est quand même pas tout à fait le même rapport entre un tonton et ton fiston, quoi. Moi, je suis vraiment pas d'accord avec vous. Pour moi, c'est un cadet qui est ultra secondaire, déjà d'un point de vue politique, mais même au point de vue de la construction de l'histoire. Il est de toute façon trop loin pour que Port-Réal puisse compter sur lui au moment où ça éclate. Non, je... Enfin bon, déjà, qu'il se laisse les portes ouvertes. Je comprends qu'il se laisse les portes ouvertes, très honnêtement. Ah oui, ça, après, je comprends pourquoi il le ferait, mais... Il y aura,
Mais je pense que s'ils veulent l'avoir mis, je pense quand même qu'ils ont tout intérêt à introduire au moins quelques lignes de dialogue en saison 2, histoire que les gens se disent pas tiens, ils nous ont rajouté un fils là comme ça qui sort de nulle part. Je suis d'accord avec toi, mais seulement s'ils sont sûrs de pouvoir l'adapter. S'ils sont pas sûrs de. Mais là, ils savent qu'ils ont. Là, ils savent leur nombre de saisons et compagnie. Donc, du coup, je pense qu'ils ont. Bah, alors, et ils ont fait leur plan. Hein. Oui, à partir de ce moment-là, d'accord, qu'ils en parlent, oui, ce serait encore assez logique. Mais je pense qu'ils peuvent très bien faire encore les œillères et on ne le sait pas. Non, mais de toute façon, il va y avoir. Non, mais je pense que c'est à ça que va servir le personnage de Gwen, entre autres. À débarquer en disant « Hey, coucou, ton frère te salue, quoi. » Vraiment, on va verser quelque chose comme ça, je pense. Ah, a priori, peut-être. On nous dit sur le chat, il y a 4 saisons. Oui, a priori, il y a 4 saisons. Hein. George Martin avait quand même l'air d'être très, très positif sur le fait qu'il y a 4 saisons. La saison 2 et la saison 3 ont mutualisé un certain nombre de choses pour le tournage et le scénario, etc. Enfin, les scripts de la saison 3 ont été écrits quasiment en même temps que ceux de la saison 2, de façon à bien faire coulisser les choses, en sachant qu'il y aurait une saison 4. Quoi. C'est pas, donc oui, c'est ça. Le plan, c'est 4 saisons. On passe à la suite ? Allez. Bon. Hop, et là, ce sont les oppositions. Ta-ta-tam. Ah oui, alors moi là, typiquement, je me souvenais plus de qui était qui sur cette table. Eh bien oui, mais alors moi non plus. Mais alors ça, je sais pas très bien pourquoi c'est dans le truc opposition et pas dans nouvelle tête. Alors, excusez-moi. Non, c'est dans opposition. En fait, je voulais que ça soit dans les deux, mais j'ai D'accord. pas fait copier-coller. Si, c'est dans les deux. C'est dans les deux, ok. Ouais. Bah, je l'ai posé là, en fait, parce qu'on voit c'est son conseil vert, en fait. Globalement, on nous oppose la manière dont sont montés les deux trailers. En fait, on fait une opposition totale entre le conseil vert et la table de Rhaenyra à ce moment-là. Voilà. Oui, d'accord. Oui, donc c'est parce que tu as mis le conseil verge un peu après, ou pas, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Voilà, c'est tout. Bon, bah du coup, on parlera des nouvelles têtes dans la partie nouvelles têtes. D'accord. Oui. Mais donc effectivement, oui, ils ont quand même vraiment mis les deux trailers en miroir, de toute façon. Ça, c'est en fait... C'est franchement, c'est hyper intelligent. Leurs deux trailers, ça marche très bien. Ah, du coup, après, l'opposition, hein, c'est pas... il y a les mêmes lettres dans le nom. Mais ce qui était intéressant dans les trailers, c'est vraiment qu'ils sont les passages avec Aemon et Daemon sont à peu près au même time code dans les deux bandes annonces. Donc on a vraiment cette construction. Et de toute façon, on la voit sur les affiches aussi. Hein. Ils ont commencé à la construire. Oui. C'était déjà en saison 1, mais en saison 1, ils pouvaient pas faire de promo dessus. Là, on sent que ça va vers ça, quoi. Et tu as même Aemon qui dit dans le trailer vert, si je me souviens bien, si mon oncle veut relever le défi, je suis prêt à partir avec ma bite et mon couteau, moi aussi. Ouais. Vraiment, c'est les mêmes. Enfin, il y en a un qui a tué plus de femmes, quand même. Mais il est un peu plus vieux, il a juste eu plus l'occasion. Alors là... Ça doit être les Cargyle, les deux jumeaux, opposition entre les deux jumeaux qui est annoncée. Mais là, c'est pareil, c'est une histoire de timecode. Hein. C'est à peu près au même endroit dans les deux bandes annonces. Mmh. Et c'est les mêmes plans, pour le coup. Et c'est le même plan, et c'est là où c'est drôle, c'est que tu ne sais pas à ce moment-là lequel c'est, en fait. Oui, tu ne sais pas lequel est lequel. C'est ça qui est cool. Lequel est en dessous, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais on sait qu'on aura... Le Cargyle Bowl. C'est ça, exactement. On sait qu'on aura le Cargyle Bowl dans cette saison, et en même temps, c'est normal, c'est maintenant qu'il doit arriver. Et ben voilà, le conseil vert, il est là. Ouais. C'est juste que les petits numéros d'Eridan, c'était numéroté par bande-annonce, donc je pense qu'il y a des numéros qui doivent arriver plus tard. C'est pour ça, mais en fait, ils sont là. Voilà, les deux à la fois, ils sont là, comme ça. Donc on notera qu'il y en a qui font des discussions politiques en bouffant et pas d'autres. Mais Alors après, ouais, mais ça c'est toujours effectivement hein, chez les verts, ça a toujours l'air un poil plus chiant quand même. Hein. Excusez-moi, mais en termes de chaleur humaine, on n'y est pas trop. Hein. Ah, c'est un peu plus dépouillé. Franchement, Alicent, elle a un poil coincé du cul, quoi. Non, mais c'est bon, on en reparlera quand on parlera des nouvelles têtes. C'est aussi que le but n'est pas du tout le même, en fait. Oui, d'accord. Ah, je crois que c'est le point d'après, les nouvelles têtes. Vas-y, si on va passer aux nouvelles têtes. Allez. Et je crois qu'on commence par cette image-là, en plus.
pile sur la même image, exactement. Parfait. Ouais, t'as vu, hein ? Je connais l'ordre des images. Incroyable. Et donc, les nouvelles têtes qui sont sur cette table, parce qu'effectivement, il y a des petits nouveaux là-dessus. Qui sont ces gens ? Le montage nous a fait croire à un moment donné que Daemon était là, et en fait, bah, a priori, pas du tout. Non, Daemon n'est pas là. On reconnaît bien Rhaenyra, et en fait, si elle est en train de leur donner à bouffer à tous ces braves gens, c'est pas juste parce qu'elle est sympa et on va organiser un petit lunch en même temps qu'on discute de comment on va reconquérir mon trône. Non, pas du tout. Comment ça, les Noirs, c'est pas une start-up ? Pas du tout. C'est juste que là, elle essaye de les impressionner et de leur donner en plus envie de se battre pour elle. Bon, vous les avez reconnus, ces gens-là, c'est les trois premiers dragonniers qui vont rejoindre Rhaenyra. Je sais pas lequel est Ulf le Blanc, lequel est Hugh le Marteau, pour le coup. Ulf le Blanc, c'est pas celui qui a les cheveux blancs. Je crois, hein. Je pense que Ulf le Blanc, c'est probablement celui qui fait un peu bâtard Targaryen, quoi. Les deux sont censés avoir les cheveux blancs de toute façon, a priori. Enfin, on va avoir des cheveux très clairs en mode Valyrien. Ouais, mais si tu dois essayer de distinguer les deux dans une série, c'est normal que tu échanges les couleurs, quoi. Enfin, que tu changes les couleurs. Un peu. Maintenant, on pense que la personne de gauche, de sûr, c'est Adam Velaryon, Adam de Karen. C'est la personne qui va monter Fumée des Mers. On avait déjà un moment dans le précédent trailer, on pensait l'avoir entreaperçu juste après son premier vol d'essai. Et a priori, là, ça se confirme. Donc, un Velaryon, mais avec les cheveux noirs. Contrairement aux Velaryons habituels qui ont les cheveux blanc-gris des Targaryens. Ouais, c'est pour accentuer sur le côté bâtardise, non ? Peut-être bien, oui. Et puis pour qu'on le distingue direct quand il est avec les autres, à mon avis. Mais... Aussi, et il y a peut-être aussi rajouté une petite couche sur le fait que le phénotype Targaryen, ça marche pas si bien que ça. Il y a Galak qui demande où est Orti. Alors au début, je me demandais si la jeune fille, c'était pas Orti, à côté de Rhaenyra, mais en fait, non, a priori, c'est Baela Targaryen qui fait face à Jaqerys Velaryon. Et du coup, je pense qu'Orti, elle arrive un peu plus tard. Dans mon souvenir, de toute façon, ce Maison Rouge, Orti devient dragonnière, mais un peu plus tard que les autres, si je me souviens bien. Ouais, puis pour le coup, j'ai l'impression que Orti, il garde vraiment sa secret. Je pense qu'ils veulent vraiment pas la montrer et que vraiment, 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 c'est un plan de com où ils veulent qu'on soit surpris de l'actrice qui jouera Orti ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un truc, hein, mais Orti. Juste que les gens, en fait, le problème, c'est que si tu mets pas le personnage, les gens ils vont faire hey, mais où il est machin. Si tu mets le personnage, les gens ils vont commencer à spoiler dans les commentaires. Aussi. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi ça qui joue. Et alors, est-ce qu'on sait qui est le garde blanc au fond là-bas ? Celui-là, c'est soit Stéphane Sombrelin, soit l'autre de la garde régine, dont là tout de suite le nom m'échappe. Mince. Je me souviens plus. Dans la saison 1, il était nommé. En tout cas, ce que je peux dire, le temps que tu retrouves ta mémoire, c'est qu'une fois de plus, les nouveaux personnages sont de dos. Oui, tout à fait. Exact. Non, mais on veut pas... Une fois de plus, on est sur de l'easter egg pour les gens qui mettent pause, quoi. Oui, totalement. Exactement. Te reviendra, Eridan, faut qu'on passe... Laurent Marfeu, mais oui, bien sûr, Laurent Marfeu. Laurent Marfeu, mais évidemment évidemment, évidemment. Un personnage tellement mais important. Mais où avais-je ma tête? Mais oui. Alors, qui devient Lord Commandant à un moment donné, mais je suis plus très sûr. Ça doit pas durer très longtemps. Bref. Ensuite, suivant. C'est quelqu'un en prison? Non, là, alors, toi, tu te souviens pas de ce moment-là? La personne qui est à la grille, là, elle fait sonner une bourse, cling, 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 et en face d'elle, c'est une sorte de manteau d'or. Regardez-moi cette jolie petite face, t'as envie de lui pougner les joues comme ça. Sauf que c'est sang, en fait. Ouais, c'est sang. Donc c'est une nouvelle tête de dos, encore. Alors non. Celui qui est en face, là, le garde, c'est sang. C'est celui sang, d'accord. Je sais pas si c'est pas mal. Moi, je pense que c'est Daemon. Si l'autre en face, ils en ont fait un manteau d'or, c'est Daemon. C'est moi, je pense pas. Pas obligatoire.
Ou alors Daemon va passer par Nitaria, mais il faut quand même qu'il y ait c'est la c'est un ancien manteau d'or déjà dans les livres. Hein, ah d'accord, ok, moi je pense que pardon, feu et sang, non mais n'importe quoi. Sang est un ancien manteau d'or déjà dans les livres. Donc, dans la théorie, ouais, c'est Misaria qui s'occupe de toute la logistique, c'est Misaria. Après, moi je pense que Misaria, ils l'ont tellement pas bien traité en saison 1, ils ont tellement compris que personne ne savait qui elle était, que pour un événement aussi important, je pense qu'ils vont y mettre Daemon directement pour faire ces petites affaires. Oh. Je suis à nouveau pas d'accord avec toi, mais c'est fou ça. On n'est jamais d'accord. Moi, je pense plutôt que. je pense plutôt que les épisodes. S'ils font une mise en scène pas trop ridicule, ils ont moyen de montrer que Misaria sert d'agent à Daemon et ça va passer par la bourse essentiellement que tu vas voir transiter de main en main, tu vois. Mais non, pour moi, ils sont pas obligés d'avoir forcément Daemon. Non, c'est juste que en fait quand même en saison 1, mais alors après je sais pas à quel point la saison 1 elle est bâtarde en fait, parce que elle est quand même bon, je l'adore hein, mais là n'est pas la question, c'est juste qu'elle a ce format où ils savaient pas encore s'ils allaient faire 3 ou 4 saisons. Je sais pas le nombre d'indices qu'ils, je sais pas dedans qu'est-ce qui relève de l'easter egg en mode on met tout et tant pis si ça sert pas, et qu'est-ce qui est vraiment du quelque chose de prémonitoire, parce qu'on avait tous les rats qui se baladaient dans le donjon, par exemple, qui faisait un peu référence à tout ça aussi. Et il y a le fait que Daemon connaisse les passages secrets, en fait, puisqu'il emmène Rhaenyra par là. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dropper ça dans la saison 1 pour pas s'en servir derrière. Et en même temps, c'est pas plus mal non plus si ça met un peu de nuance dans le déroulé des événements. Mais je sais pas, il y a pas de meilleure solution, je trouve, entre les deux. Mais... Il faut aussi qu'on se rende compte d'un truc, c'est que nous, on repère des trucs hyper... Nous, les fans, j'entends les spectateurs, on repère des trucs hyper précis et on se dit « Ah, si ça a été mis là, c'est forcément que ça va conduire à quelque chose par la suite, c'est obligatoire !» Et en fait, des fois, juste non. Oui, on surimprunte interprète de ouf, évidemment. Ah ouais. C'est toute la beauté du truc. Autour des doigts d'Alicent, comment elle se les ravageait. Et au début, on se disait... Oh là là, il y a une idée de mise en scène. En plus, je crois que ça durait sur au moins 2 épisodes. On pensait vraiment que ça allait amener à quelque chose de continu sur la saison. Et au final, non, ça a été abandonné. Donc, voilà. Je sais pas dans quelle mesure on n'a pas un peu surinterprété le côté « Oh là là, Daemon, il connaît les passages secrets. » Alors ça, pour le coup, je trouve que c'est plus appuyé que juste il y a des rats qui se baladent dans le donjon où il y a des plans sur des doigts. Mais... Ça fait vraiment foreshadowing, je trouve, la manière dont c'est fait. Mais bon. C'est surtout qu'il y a une image qu'on verra plus tard qui me fait dire que... Enfin, voilà. Alors, bah vas-y, on continue. Alors, donc, il y a là... A priori, des souterrains. Les souterrains. Donc, a priori, c'est le même monsieur que là. Mm-hmm. Et son c'est petit copain. Gros nounours. C'est le même gros nounours avec un moins nounours, a priori. Donc, sang et fromage. Et là, bah alors attends, parce qu'il me semble qu'on avait. Attends, bouge pas, parce qu'il me semble qu'on l'a plus loin. C'est juste que. Ah non. Eh ben non. Écoute, je n'ai pas l'image. Elle a pas dû être copiée-collée comme il fallait. Désolée. Je ne sais pas. Bon, il y a une autre image. Il y a une autre image. Peut-être qu'elle est ailleurs. Elle est peut-être après dans le prochain item. Mais bon, en tout cas, ça, c'est sang et fromage dans des souterrains. Qui, toujours de dos. Toujours de dos, évidemment, qui vont vraisemblablement être à l'origine de cette scène-là. En très doute. Sanguinolente. Léger, comment t'es en train de me dire que c'est pas un accouchement? Et donc, sinon, on a petit Freddy Fox. Freddy Fox, exactement. Qui a droit à un plan de face, parce que je pense que c'est un acteur un peu plus connu que les autres. Oui, puis c'est un personnage qui est moins attendu aussi. C'est pas un personnage hyper fan favorite, quoi. Donc, Et puis je te dis, après, bah, ça se trouve, ils avaient pas des masses de plans, mais bon, après, c'est pareil, c'est un peu... Dans la bande-annonce telle que c'est monté, c'est un troufion lambda. Hein. C'est juste que nous, on sait que cet acteur-là, avec cette tête-là, incarne Gawain Hightower, quoi. Il a quand même une belle armure, hein, on peut pas dire. Non, mais après, moi je pense aussi qu'il me semble qu'il l'avait déjà révélé depuis un moment, parce que je crois que le plan d'Aegon en train de remonter dans la salle du trône avec justement son oncle à côté de lui,
Elle était déjà dans le premier trailer, donc du coup qu'ils le remettent là, finalement, c'est un deuxième petit. Oui, puis c'est pareil, c'est un des tout premiers acteurs qu'ils ont annoncé, hein, donc. Oui. Et c'est trop bien. Vous avez l'occasion. Je pense qu'ils vont lui grossir son rôle, tu vois. Oui. Normalement, il est censé être manteau d'or et surveiller le commandant. Pardon, je vais y arriver. Le commandant des manteaux d'or. Là, à mon avis, il accompagne Kristen à la guerre. Hein. Bah, je pense qu'ils vont grossir son rôle parce que c'est un acteur qui est quand même, enfin, un peu connu. Moi, ça fait deux séries de suite que je mate quasiment où il est dedans, quoi. Donc, pour le coup, vous pouvez le voir dans Slow Horses récemment et dans la série The Gentleman qui est sortie, la série de Guy Ritchie, qui est sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et du coup, il est dedans et la manière dont il est dedans, c'est quasiment une guest star, en fait. Il est là juste un épisode. Donc je pense qu'il y a un petit côté, c'est un acteur de second rôle qu'on retrouve un peu partout. Bon, moi je l'aime bien parce que dans mon petit cœur, il a fait les Trois Mousquetaires 3D il y a un moment, mais il y a 13 ans, qui est un meilleur Trois Mousquetaires que les Trois Mousquetaires qui est sorti l'année dernière. Tiens à le préciser, comme ça je me fais incendier dans les commentaires. Du coup voilà, mais voilà, c'est un acteur qui a une bonne petite tête de connard, qui est parfait pour faire ça. Je pense qu'il va faire grimper des points Oracle Remette pour le camp des Verts, mais ça va être assez jouissif, je pense. S'ils l'ont embauché pour ça, ça va être délicieux. Rien que de le voir là, t'as un peu envie de le détester, quoi. Ah non, mais il a attarté dans tous ses rôles, c'est incroyable. Oh, je vous trouve dur, tellement. Oh, il a une petite face de fouine. Non, mais ce sentiment anti-vert, quoi, incroyable. Totalement. Moi, j'adore. Hein. Mais j'aime beaucoup les détester, c'est tout l'intérêt des verts. Mais là, par contre, c'est pas une nouvelle tête. Non, je sais pas pourquoi il est là, lui. Pourquoi il est là ? Non plus, j'ai pas compris quand je l'ai vu, mais bah. Non, quoi, il doit être une erreur de copier-coller. Bon, poste dessus. Ouais, bah oui, bah voilà. On va passer à la section divers, c'est-à-dire les autres images qu'on savait pas où ranger. Donc du coup, voilà, c'est parfait. On commence donc par des bonnes dont on. C'est vrai que avec son petit casque là, c'est un peu mignon. Voilà. Il a enfin remis son casque. Alors ouais, ça, les du coup. Les trois plans qui se suivent. Hop, oui, c'est ça, ils se retrouvent ensemble du coup. Ouais. Non, justement, c'était pour parler de ça. Non, ouais, c'est les trois plans juste avant là. Ah, il en manque un d'ailleurs. Mais il en manque c'est un. Pas grave. Exactement. Il manque Rhaenyra de dos, comme si on ne savait pas qui c'était. Incroyable. Peut-être qu'elle traîne ailleurs, je sais pas. Il y a peut-être un problème de numérotage. Non, elle n'y était pas. Ah, du coup, ouais, est-ce que c'est pas justement Sea Smoke qui serait en face d'elle, du coup, maintenant qu'on en parle, je me demande. Ah, oui. Moi, c'est pas la même scène, fait, ouais. Ça m'a beaucoup fait penser. Effectivement, avec les petits bâtons, là, c'est le même bâton qu'on voit avec Sea Smoke. C'est ça, c'est pour ça que je me demande. Sinon, j'ai vu d'autres théories qui disaient bah, c'est Rhaenyra qui va chevaucher Syrax et qui va partir pour Akelmi. Donc, c'est le tout début de la saison. On ouvrirait l'épisode 1 par cette image-là. Mais du coup, je ne comprends pas bien le principe du premier plan. Oui, voir. La dernière possibilité que je vois, mais je ne comprendrais pas trop à ce moment-là, c'est qu'il s'agirait du retour d'Aegon le Jeune après l'attaque de la Triarchie. Dans le gosier. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop spoilant. Mais voilà, faites vos recherches sur le wiki de la garde de nuit et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Je me demande si ça pourrait pas être cet événement-là. Mais j'en doute. Franchement, voir les premiers épisodes comme ça, ça me surprendrait énormément. Non, je pense que c'est vraiment juste un départ quelque part. Mais c'est un à mon avis. Est-ce qu'on va pas avoir un truc genre départ quelque part, tu sais, et elle part quelque part et il y a les plans de Sisbook avec un. Un dragonnier qui lui dit en valérien, enfin les gardiens des dragons là, qui lui dit en valérien, hey, celui-là, quand même, depuis que l'autre est mort, c'est un peu compliqué. Et donc celui de juste avant, on voit quoi? C'est sombre. Alors là, on le voit pas bien. On le voit pas bien et l'image est sombre. Mais en gros, on a un garde royal face à une triple fenêtre et il y a une ombre de dragon qui passe au niveau de la fenêtre. D'accord. Et les plans là encore avaient l'air d'être dans la continuité, mais après ça peut à nouveau être un mensonge du montage. Hein. Oui. Peut-être que les plans sont pas aussi liés que ce que le trailer essaye de nous faire croire. D'accord.
Là, ça, c'est le petit point, petit casque. Le point casque. Et c'est vrai que... Le point casque de guerre. Le point casque de guerre, nous avons des petites comparaisons. Ah. Est-ce que ce serait un petit peu un Nazgûl? Enfin, Thoron et le Nazgûl, surtout. Moi, je trouve que c'est sur le Nazgûl que c'est plus probant. Oui, oui, oui. Non, ça se voit beaucoup mieux sur le Nazgûl. Ça se voit sur le Nazgûl, en fait, hein, ouais. L'idée, c'est que... Le contour, là, on voit bien quand même que c'est la couronne d'Aegon Ier, d'Aegon le Conquérant. Et c'est une couronne qui se retrouve du coup enchâssée dans un casque de guerrier. Et donc oui, ça rappelle tout à fait l'esthétique du Nazgûl, l'esthétique de Sauron. J'ai un casque, mais en même temps, j'ai la couronne qui est imbriquée dans le casque pour rappeler que j'ai été roi un jour, ou que je le suis encore. On nous dit Richard Cœur de Lion sur le chat. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images de Richard Cœur de Lion de cinéma qui mettent la couronne sur le casque. Bah, y a un petit côté comme ça où je veux rappeler que je suis un roi, mais en même temps, je suis un guerrier. Donc je suis un roi guerrier, en fait. Et en même temps, ça va être vachement pratique pour l'identifier sur le champ de bataille. Exactement. Quand il sera au milieu de tous les figurants. Donc c'est pas con. Et en même temps, ouais, ces petites lamelles, là, c'est vrai que c'est un petit côté Nazgûl. On sent un peu ce petit design du méchant. Après, on a choisi les designs des films, mais je crois qu'il y a des Nazgûl avec des dans les jeux vidéo notamment qui ont été faits avec des designs plus proches encore que ça. Voilà, on a Aegon qui est pas content. Moi, je pense qu'en face de lui, il y a sang et qu'il est en train de lui mettre la misère. Mais alors, quelque chose. C'est bien possible. C'est bien possible. Ouais. Ah, et puis pour le coup, il mérite. Hein. Ah, on peut pas lui reprocher d'être fâché. En même temps, elle le dit dans le trailer, l'autre. Hein. Elle a choisi la violence. Elle a choisi la violence. Lui, il a choisi la guerre. C'est pas tout à fait. Il a choisi la guerre. Et puis, bon, quand même, il a quand même aussi une bonne phase de petit connard. Hein. Ouais, franchement, vous avez pas un peu envie de le frapper juste rien que de le voir comme ça, là ? Insupportable, quoi. Ah, moi, il le fait très très bien. J'ai pas envie de le frapper, mais non, ça ne se fait pas. Ouais. Ah, il le fait là, très bien. Là, il y a vraiment une tronche de. Le truc de To War Then, là, quand il dit ça, là, ça fait vraiment. Là, tu sens qu'ils essaient de choper les gens qui avaient adoré détester Geoffrey, quoi. Ouais. Ah mais non, mais complètement. Complètement. Même vibe. Mm. Ah, bah, et ça marche très très bien. Il y a Snimnar qui dit Drago Malfoy, mais oui, mais complètement. Tellement. C'est tellement Drago Malfoy, ouais. Et là, nous les gens qui déchirent des livres. Là, nous avons un plan de... On ne sait pas quoi. Je ne sais pas trop. Eh ben, on ouais. ne sait pas où. On ne sait pas où. Ça fait très... Ça fait très ça chaud fait... comme ambiance. C'est ça, ça fait très et désertique. Hein. Oui. Ça fait très tourné en Espagne, quoi. Du coup... J'ai du mal à me figurer que ça pourrait être chez les Hightower ou Arenal. C'était les deux hypothèses que tu avais mises, je me souviens. Honnêtement, Arenal, non, bien sûr que non. Non, c'est pas assez vert, conflant, c'est pas ça. Assez mouillé pour que ce soit le conflant. Par contre, effectivement, moi, je me dis éventuellement le Bif, est-ce que ça pourrait être possible? Mais c'est surtout c'est qu'il y a une armée derrière qui est en train d'avancer. Et en plus de ça, on sait très bien que... les Hightower sont en marche, puisque c'est dit dans le trailer. Donc, est-ce qu'ils nous montreraient les Hightower dès ce moment-là? Je vois qu'il y a plein d'autres propositions dans le chat et qui sont intéressantes. Repos des Freux, ouais, pourquoi pas. C'est vrai que au moins, ça peut s'y prêter. Ça serait plus logique. Ouais. Repos des Freux, c'est à côté de Port-Réal, donc finalement, avec qu'ils aient la même vibe. L'ambiance méditerranéenne de Port-Réal marche, quoi. Exactement. Ou encore l'armée Lannister qui avancerait un petit peu sur le conflant. Ça me paraît quand même pas assez vert pour être le conflant. Ouais, c'est vrai que c'est pas assez tourné en Angleterre pour être le conflant, surtout qu'on avait d'autres plans. Alors je crois qu'on les a pas mis, mais il y a plein de plans, tu sais, tous les plans de lac qu'on avait vu dans le trailer d'avant notamment, qui étaient quand même pas dans la même ambiance pour le conflant, quoi. On nous dit la dent d'or aussi. Ouais. C'est vrai que la végétation aussi va avec la forêt qu'on a vue juste avant aussi. Aussi, ouais, la forêt un peu. Ouais. Terre de l'Ouest. Bon, on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. C'est quelque part. C'est quelque part, mais c'est tourné en Espagne ou au Portugal. Voilà. Voilà, exactement.
Alors ça, c'est Alicelle qui prend son bain. Alicelle qui fait des introspections aquatiques, apparemment. Mais exactement, mais oui, mais il y a un gros truc autour de Alicelle et de la flotte, désormais, parce qu'attends voir, dans le premier là, trailer, la on la voyait faire des ablutions en mode Dame du Lac. Là, maintenant, elle essaye de, je sais pas, de se noyer... de faire comme Claude François, je ne sais pas, à un moment donné, mais enfin, oui, il y a un truc avec T'as peut-être un côté... Enfin, peut-être qu'ils vont jouer autour du côté qu'elle se sent sale. Tu sais, cette espèce de côté un peu Lady Macbeth, où elle passe son temps à se laver les mains, où là, bah, c'est pareil, parce qu'elle se sent sale de la guerre, parce qu'elle vit très mal le sang, la violence, elle cherche à se purifier avec l'eau. Je sais pas. Ouais, ce serait drôle parce que c'était une caractéristique de Cersei des livres qui avait pas du tout été repris dans la série. Ce serait amusant qu'ils le reprennent là avec Alicent, d'autant que ça va très bien avec le personnage qui termine la danse des dragons pas forcément au meilleur de sa forme, on va dire. Oh, merci à Hugo pour ton abonnement. Merci. Hop. Et donc là, on a Ron Weasley. C'est la Rose Weasley, pardon. Mais attendez, il ressemble. Alors là, franchement, je ne sais pas. Ouf, hein. Ouais, mais alors je ne sais pas qui sont les deux personnages parce que tu avais mentionné Gwyn Hightower, mais il y en a aucun des deux qui ressemble vraiment à Freddy Fox. Ah non, hein, il ressemble pas à Freddy Fox. Le je sais pas qui sont ces deux persos. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas du tout. Il a la tête beaucoup trop ronde. Bah oui. Non, mais il ressemble de ouf à. Il ressemble à Ron Weasley. Une tête. De... Mais je sais même pas si c'est un Hightower parce qu'il a pas. Il a pas les fringues Hightower contrairement à celui de droite. Celui de droite a l'air d'avoir le vert. Oui. Et celui de gauche, il a l'air d'être plutôt en. Ça a l'air d'être plus rouge. Rouge et brun. Ouais, on nous dit Martin Rain sur le chat. Ouais, s'il est roux, c'est logique. Ouais. Et le rouge aussi, pareil, c'est ce que ça irait avec le lion. Ça pourrait être un lion rouge. Hein, sur son petit col. Sur sa jaquette. Mm. Oui, effectivement, c'est bien les couleurs des Rain, en effet. Et ça va plutôt bien avec le fait que les terres de l'Ouest se rallient massivement à Aegon, hein, de toute façon, donc ok. Et l'autre, ce serait aussi un Hightower, du coup ? Enfin, ce serait un Hightower ? Bah, je ne sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il a une cape qui a l'air d'être plutôt verte. Donc, je ne sais pas. Et comme on a vu que Aegon 2 reprenait vraiment le vert, là... Enfin, c'est pas le même, c'est pas tout à fait le vert de Aegon, mais bon. Ouais, mais tu vois, il a changé la couleur de ses bannières, par exemple. Mm. Donc vraiment, tu sens qu'ils veulent caractériser le parti vert et le parti noir pour que les gens les reconnaissent. Alors, Tips nous dit Léo Astremont, sinon. Et peut-être que ça pourrait, là pour le coup, l'image est pas du tout de bonne qualité, mais peut-être qu'il y a une petite tortue sur le truc. Je ne sais pas. Eh bien, là, je ne sais pas qui sont ces deux personnages, mais vraiment, aucun souvenir. Ah non, mais c'est normal. C'est-à-dire que Léo Estremont, moi, jamais entendu parler. Hein. Donc, ça doit être un ajout très récent, voire tout nouveau de la série. Pour le ralliement de la Terre de l'Orage et le ralliement de la Terre de l'Ouest. Ah oui ? Oui, complètement. Bah, c'est... Le Tibbs qui nous donne cette explication-là, et je suis tout à fait d'accord, effectivement. D'un côté, les terres de l'Ouest, de l'autre, les terres de l'Orage. Oui, c'est Sims Legit. Et oui, perso inventé par la série, hein, je te confirme, pour le coup. Martin Rain, je me souviens qu'on parle des Rain dans Feu et Sang, mais je ne me souviens pas d'un Martin Rain, très honnêtement. Martin Rain, yeah, yeah, yeah. Ça marche pas mal. Et voilà, c'est fini. Mais nous avons aussi les belles images d'Internet après. Et puis, il y a tout un lot d'images que tu n'as pas dû avoir dans le Drive Nympha, parce que j'en avais mis aussi d'autres sur le Conseil Vert, mais bon, alors, parce qu'on n'en a pas déjà dit suffisamment. Ouais.
Ça, oh, bah, une image de Larisse hein, qu'on n'a pas vue dans la bande-annonce. Comme on l'a pas vue dans la bande-annonce, parce qu'on a quelques images qui ont belle image. Deux dans la bande-annonce, mais on voit juste une épaule ou une manche ou un moment où il est assis dans un flou artistique. Donc, on le voit pas, Larisse. On le voit pas vraiment, mais je crois qu'il est dans la bande-annonce quand même. Peu importe. Mais j'espère que son perso sera mieux dans la saison 2. Parce que j'étais un peu déçu. J'avais bien aimé son introduction et au final, après, derrière, ça m'avait pas mal déçu. Ouais. J'espère que ce sera mieux. C'était une de mes déceptions aussi, pour le coup. Oh, bah là, je suis surpris. Ensuite, on a quoi dans les images d'Internet? On a ce bon vieux. La dagounette. Cette petite dagounette avec ce bon vieux. Non, mais cette tête à claque, là. Il est magnifique. Alors, il l'a porté aussi quand il remontait la salle du trône pour aller jusqu'au trône. Hein. Mais oui, là, on la voit beaucoup mieux et ils mettent vraiment le focus dessus en mode. La dingue. Là, on a les jumelles. Et Stéphane Sombrelin. Ouais, bah du coup, c'était pas Stéphane Sombrelin pour tout à l'heure, parce qu'il était plutôt chauve. C'était Laurent Marfeu, c'était Marfeu. Et je me demande si derrière, c'est pas encore Bartimos Celtigar. Mais bon. Hop. Donc là, on a l'enterrement. Franchement, elle est magnifique, cette image. Ouais, très belle. Elle est très, très belle. On a les on fait des plans. Les plans de Kristen Cole. Il s'est pas encore coupé les cheveux. Avec ça doit bon. Vraiment être le premier épisode, du coup. Ouais. Genre, je sais pas, mais en tout cas, peut-être il se coupe les cheveux pour aller à la guerre, tu vois. Ou alors ça serait... Ou la chemise et tout, là, je sais pas. Petite ambiance détendue à Port-Auréal. Ils font des plans. Non, mais là, tu vois, il n'a pas encore il a pas encore coupé ses cheveux. Non, j'avoue que la coupe de cheveux a l'air différente, effectivement. Là, on a... Il a l'air tout seul. Il a l'air tout seul. Lui, il fait des introspections sous l'eau, mais sous l'eau du conflant, du coup, sous la pluie. C'est ça. Pour le coup, je reviens juste deux secondes sur l'image précédente, mais pour le coup, le rapprochement Kristen Cole et Aemond, on le voit pas mal dans le trailer. Ils partagent des scènes ensemble et tu vois à un moment donné qu'Aemond finit par obtenir une place au Conseil restreint des Verts, justement. Donc bon, ça présage vraiment beaucoup de la suite, quoi, on va dire. Je pense pas qu'Aemond portera feu noir dans cette saison particulièrement, d'autant que je crois pas qu'il y ait accès. Pas énormément, non, même pas du tout. Il me semble pas. Feu noir reste la propriété normalement d'Aegon II, il me semble, pendant la guerre. Par contre, il n'y a pas un truc où il lui passe, non? Non, c'est la couronne d'Aegon le Conquérant, par contre, qui atterrit normalement à un moment donné sur la jolie petite caboche de notre cher Aemond. Tu vois, il a bien des raisons d'être triste, ce pauvre petit démon, du coup, avec tout ce qui va se passer, là. Personne de l'aide. Vraiment. Légolas, on dit. C'est vrai qu'il y a une petite vibe. Tellement trop. Donc là, on a Elena, qui va pas vivre une super saison non plus. Non, je pense que ça doit être une image du début du premier épisode, à mon avis. Ouais. Après, ouais, parce que au fond, tu vois un gamin avec encore une tête. C'est ça. Là, on a Caraxès en meilleure qualité. En meilleure qualité, ouais. On a les Vélarion. Donc, on les verra quand même un peu. C'est vrai qu'on les a pas beaucoup vus dans le trailer, tous les deux. Ah, c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup repris les images. Mais oui, non, ils sont très absents. Rhaenys a pas mal de répliques. Hein, c'est ça, elle parle beaucoup. Mais on la voit pas. Et c'est pareil, ça rappelle, tu vois, dans l'idée d'être dans la continuité de la saison 1, les trailers de la saison 1 étaient montés avec des dialogues de Rhaenys aussi. Ouais. Mais parce que Daenerys dit des choses percutantes, pertinentes, elle a toujours raison, voilà, c'est tout. La reine qui l'aurait fait. Ou alors elle dit des choses très vagues qui sont très bien pour monter sur des bandes annonces.
Elle est sage, ok. Elle est sage. Oh, petite Ali, elle a l'air toute triste. Et je pense vraiment qu'ils lui ont changé sa couleur de cheveux pour la saison 2. Elle est beaucoup plus rousse qu'elle ne l'était dans la saison 1. Mais j'ai l'impression aussi. Ou alors c'est juste l'étalonnage qui change. Hein, mais, peut-être, mais en tout cas, en tout cas, elle fait beaucoup plus rousse. Hein. Et voilà. Parce que pour le coup, ces photos-là, elles sont pas du tout étalonnées comme les images de la série, je trouve. Ouais. Notamment celle de Larisse, elle fait vraiment pas, ou celle-là, elles font vraiment pas étalonner. Non. Pareil. Non, et même celle-là. Exactement. Celle-là, elle fait exactement. Vraiment, effectivement. Bon, et alors sinon, du coup, j'ai rêvé des modes dans un couloir, manifestement. Ou alors il y est, mais c'est juste qu'on a. C'est juste qu'on l'a pas mise. Voilà, mais parce moi, que pour moi, il est pas dans un couloir à ce moment-là. Je pense que c'est soit le moment où il prend Arenal, soit le moment où il prend la et Pierre, la demeure des Bracken. Mais bon, après. Bon, on verra bien. Et Pierre, hein, je suis comme un fou. Bon, bah, il va être temps de conclure, chers amis. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Des choses qu'on n'a pas abordées. Est-ce que vous voulez refaire le sondage pour savoir si la team noire l'emporte toujours haut la main? Bah oui, on peut. Tu penses? Et si, bah, je vais profiter du coup que tu fais ton sondage et que tu fasses ton sondage et qu'on ait deux, trois autres questions qui arrivent. Pour signaler que du coup la suite des podcasts des grandes maisons arrivera à partir du mois d'avril et au vu de la date on accélérera sur mai et juin. Donc au programme vous allez normalement avoir les Harin, puis les Bracken et les Nerbosk, puis les Celtigar, les Manderly et enfin les Stark. Donc voilà, ça sera la série de podcasts pour la fin de l'année scolaire, on va dire. Et là déjà vous pouvez écouter les Lannister et les Baratheon. Exactement. Et les Martell, ils sont où? Eh bien, les Martell, on ne les voit pas des masses pour la saison 2. Donc, puisqu'on fait des podcasts consacrés aux maisons de House of the Dragon, on ne parle pas des Martell. On parlera des Martell quand on fera les maisons ratées de Game of Thrones. Exactement. Et puis, on fera que finalement, parce qu'ils survolent un petit peu tous les autres. C'est vrai qu'il y a un truc qui, moi, m'amuse un peu dans la campagne de promotion. Là, c'est justement le « All must choose ». C'est rigolo parce qu'on sait que c'est pour l'engagement des spectateurs qu'on nous balance une phrase comme ça. Alors qu'en fait, quand tu regardes dans « La danse des dragons », il y a tout un tas de maisons, Martell y compris, parce qu'eux, ils s'en foutent, ils appartiennent pas au royaume. Encore qu'ils pourraient faire ingérence, mais bref. Mais tu as quand même tout un tas de maisons, genre les Tully, les Tyrell et d'autres qui disent « Ah non, mais moi, je prends pas parti ». Ah non, je préfère être en vie plutôt que de crever dans vos conneries. Daemon en robe de chambre, il va être infidèle ou pas? Pas tout de suite, a priori, mais ça viendra. Voilà. Ou alors ils vont commencer à montrer qu'il est infidèle avec d'autres gens pour. Oui, aussi, bien sûr. Puis ça peut-être, vient qu'on de... peut-être qu'on le verra revenir vers Misaria, justement. Possiblement. De toute façon, ils intégreront peut-être Misaria pour intégrer Port-Réal et les petites gens. Donc on verra. Il me semblait que dans les bandes annonces, alors je sais plus si c'est. Du coup, j'ai rematé les trois, donc je sais plus dans lesquelles c'est. Mais il y en a une où on voit des gens qui fuient un peu à Port-Réal, non? Ou qui courent, qui s'éloignent d'un truc, j'avais l'impression. Je crois que c'était dans la première, oui, tout à fait. Dans la première. Ouais. Effectivement, il y a un moment qui peut passer pour une espèce de mini émeute, tout le mouvement de foule. Après, est-ce que c'est vraiment à Port-Réal? Tu vois, est-ce que c'est pas justement Sombreval qui est en train de se prendre l'assaut de Criston Cole et des autres joyeux, là? Ah, les Noirs commencent à l'emporter, mais c'est plus disputé là. Hein. C'est un peu plus serré, ouais. C'est un peu plus serré. Allez, les gens, vous êtes pas fun là. Faut voter pour les gens rigolos, les gens distrayants. Ah bah du coup, regarde, t'as dit ça, ils ont pris deux voix, les Noirs, quoi. Trois voix. on fait de la très mauvaise publicité, en fait, Eridan. Il faudrait vraiment. Moi, J'ai jamais dit que je pensais au vert, là, tout de suite. Si ça se trouve, je soutenais les Noirs, on n'en sait rien. Bah, sinon, oui, le chat fait remarquer que dans cette histoire de mouvement de foule, on voyait Alicent se faire attraper, tirer par le bras dans l'émeute. Oui, tout à fait. Donc, a priori, c'est quand même à Port-Réal, hein, on ne sait pas.
Et Kate dit qu'elle ne voit pas le sondage. Bah écoute, normalement, c'est tout en haut dans le chat. Là, il y a un truc, choisissez votre camp que tu peux ouvrir. Avec la petite flèche sur la droite, normalement, ça va te permettre de voter. Et sinon, Hugo dit, est-ce que vous avez parlé de la phrase de Damon qui dit de faire allégeance au noir, sinon la maison brûlera ? Qui serait clairement une référence à la phrase d'Egon 1. Après, clairement, c'est un petit peu ce que n'importe quel Targaryen, un chevauchant un dragon, dit à quelqu'un qui est en face de lui et qui n'a pas de dragon. Mais oui, je suis assez d'accord avec toi, Hugo. Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit en train de parler à un fort qui est en face de lui à ce moment-là, histoire de bien lui rappeler que, bah, mec, t'habites à Rhaenal. À Rhaenal, vous vous êtes déjà quand même pris un dragon Maos Cousteau et vous savez très bien que vous brûlez très bien, donc... peut-être que la soumission devient une option à un moment donné. On devrait en faire des t-shirts. Ouais, j'aime bien moi. Ah, on est d'accord. Ça me paraît un peu cool. Pardon, il est tard. Mon Dieu. Ah là là. Bon, les noirs. Ah, quand même, c'est beaucoup plus disputé que tout à l'heure. On est moins sur un score à la poutine. On a ramené les gens sur le chemin de la démocratie. Ah, je suis fier de nous. Alors, Kate dit que ça s'affiche pas, mais elle est verte. Attends, vas-y, je peux voter. Je vote pour toi, du coup, parce que je peux voter vert, moi, du coup, voilà. Le vote vert est de la part de Kate. Merci, Kate. Sinon, on peut faire le tour des autres actus de la garde de nuit en attendant. Mais donc, en plus des podcasts sur les grandes maisons de House of the Dragon, vous allez retrouver cette semaine La Gardez-vous avec les filles des Grimoires de l'Imaginaire, qui est un très chouette podcast également. D'ailleurs, si vous voulez les écouter, elles vont nous parler de leur amour des littératures de l'imaginaire. Et ce mardi, avec Chris et avec Yoda, on se reparle sur Twitch et on parle du dernier roman de Jean-Laurent Del Socorro en manuscrit de Mess Raymond. Il s'appelle Peine d'amour perdu et qui est paru chez Argile. Tout à fait. Jack dit qu'il est ni vert ni noir. C'est bien, tu es de la garde de nuit. La garde de nuit ne prend pas parti. Je suis ni vert ni noir, bien au contraire. Non, c'est pas ça qu'on dit. Est-ce que ça fait de lui un Tully ? Ou un martel ? Attends, ça va. Il y avait une réflexion là au-dessus, assez intéressante, je trouve, de Galak qui disait « C'est fou que les Tyrell et les Tully ne tiennent même pas leur propre banneret. » Oui, mais c'est parce qu'il faut aussi se rendre compte que... les Tully sont pas forcément les mecs les plus puissants du conflant, en fait. Et ouais, de la même manière, à ce moment-là, il y a Rhaenal qui est très fort. Et puis, ils sont pas seigneurs du conflant depuis très longtemps. Rhaenal n'est pas si puissant que ça moment-là, mais les Tully, effectivement, ne sont pas à cette époque-là et ne seront jamais, c'est dit dans les livres, des seigneurs au même titre que les Stark avec... des années de royauté derrière eux qui leur permettent de faire taire leur banneret, ni une énorme puissance personnelle en fait. Donc les Tully, ça se comprend. Les Tyrell, c'est un peu pareil. Hein. C'est des parvenus, c'est très récent qu'ils soient seigneurs suzerains. Et puis en face, t'as les Hightower qui sont quand même maus puissants, maus costauds. Et puis de la même manière, je trouve assez intéressant de voir que Jack Aerys, quand il va au nord, il commence par s'arrêter chez les Manderly avant d'aller voir les Stark. Parce que mine de rien, même quand tu composes avec les Stark, tu te dis que tu es censé avoir les Manderly qui sont pas bien loin derrière. Mais il vaut peut-être mieux les soigner quand même un petit peu avant de composer avec les Stark. Oui, alors Kermit Tully, à cette époque-là, il a 13 ans. Et non, il n'a pas encore une posture qui lui permette vraiment de s'imposer. Hein, vraiment pas. Ça viendra plus tard, ça. Il y a quelqu'un qui dit il y a Kermit Tully quand même. Et je ne suis pas d'accord, Kermit est une grenouille. Ce n'est pas un Tully. Mais du coup, remarque, si c'est une grenouille, il a tout à fait sa place dans le conflant. Qu'est-ce que tu crois, hein, c'est pas un hasard.
C'est pas pour rien hein, que Martine a fait son petit clin d'œil aux marionnettes à cet endroit-là. Mm. T'as Elmo en même temps que Kermit. Ouais. Et Oscar. On aurait dû le lancer plus tôt ce sondage, non ? Ouais, on aurait dû, hein, on aurait dit. Mais ça vient, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. De toute façon, là, les scores ont l'air d'être assez... arrêté sur une victoire des Noirs quand même, mais beaucoup moins large. On est plus qu'à 59% d'avance pour les Noirs. C'est moins. Ça deviendrait presque un score démocratique, et donc c'est impressionnant. Et Kate qui dit qu'elle a pas hâte de voir les dragons s'entretuer. Moi aussi. Ah, bah alors là, je pense qu'il va falloir ne pas regarder à partir de la saison 2, non ? Mais moi, c'est ça que j'appréhende le plus, hein, vraiment. Les morts de dragons, j'aime pas. Hein. Je disais tout à l'heure que j'aimais pas quand les chevaux ils meurent, mais c'est pareil avec les dragons, obviously. Hugo dit on a le titre de l'épisode 1, visiblement, sans fromage, c'est pour cet épisode. Alors ouais, c'est pareil, c'est des rumeurs, hein, les titres d'épisodes n'ont pas été confirmés, mais effectivement la rumeur dit que le premier épisode sera sans les fromages. Et après, pour mettre en place, ça paraît assez logique, hein, pour mettre en place la vengeance, et d'ailleurs là dans les trailers, ils mettent vraiment en avance le fait que les Noirs ils sont dans la vengeance, ce qui va bien avec quoi. Après je comprends la remarque de... est-ce que ça va pas aller trop vite pour le spectateur ? Est-ce que l'impact va pas être... Bon, je peux comprendre. Ouais, après, moi, je pense qu'on en est quand même à un stade où les gens qui regardent la saison 2 de House of the Dragon, ils savent où ils sont. C'est pas plus mal aussi de leur donner des trucs qui soient pas juste un épisode d'installation, quoi. C'est fini l'époque où on tuait des bébés en gros plan pour faire des faux cliffhangers de fin d'épisode, hein. Saison 2 de Game of Thrones, au premier épisode. Après, oui, effectivement, on n'a pas forcément, on n'a pas trop vu les enfants d'Aegon. Ma foi, c'est peut-être pas plus mal aussi, que parce qu'on aura le facteur choc, et on aura peut-être moins d'attachement. Peut-être pas... c'est peut-être pas si mal que ça non plus de ne pas nous attacher à des petits-enfants qu'on va tuer dans notre souffrance. Après, je pense que c'est déjà assez horrible de parler d'infanticide comme exactement. Ça. Exactement. C'est pas la peine de nous créer encore plus d'attachement émotionnel. Et en plus, ce serait du temps de perdu, je pense, pour d'autres personnages qui pourraient être développés à la place. Je pense que surtout que la série va vous construire et les images des deux trailers vont plutôt dans cette direction-là. C'est de montrer l'événement à travers la peine que la mère et la grand-mère vont ressentir. Ouais, et puis l'idée, c'est de poser, je pense, une espèce de pierre fondatrice du cycle, le cycle de violence dans les saisons précédentes. Dans la saison précédente, c'est arrivé, bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même un peu arrivé par hasard. Pas par hasard, mais en tout cas, la manière dont ça a été fait, c'est un peu la faute des uns et des autres, mais c'est aussi du pas de bol. Là, on parle de la première action qui violemment vient prendre la vie de personnages de manière sans l'aléatoire du dragon au milieu, tu vois. Vraiment, on fait le choix de supprimer des enfants à une famille, et c'est ça le vrai démarrage de la danse des dragons. C'est cette action-là, vraiment violente, entre hommes, qui démarre le truc, quoi. Avec des intermédiaires qui sont des coupes-jarrets pour le coup, mais quand même avec des décisions humaines et des bras humains, quoi. Et je pense que c'est ça que veut poser la série, en tout cas si elle fait le choix de mettre ça dès le premier épisode. Après, dire que ce sera pas comparable aux Noces Pourpres, je comprends la réflexion, mais en fait non, ce sera différent des Noces Pourpres. Je pense quand même qu'il va y avoir un choc autour de cet événement là je pense qu'il ne faut pas minimiser le choc que ça peut représenter pour des spectateurs. Nous, on est déjà Je pense qu'il y aura un trigger warning au début, hein. Mais ouais. J'espère. Parce que mine de rien, pour certaines personnes, c'est pas le même type de choc que les Noces Pourpres. Je suis d'accord. C'est pas le même type de choc que la mort des Dards. Je suis d'accord. Mais
voilà, Game of Thrones s'est aussi construit autour des transgressions. Je veux dire, avant Game of Thrones, il n'y avait jamais eu d'enfant poussé d'une fenêtre dans le premier épisode d'aucune série. Du coup, là, c'est un peu la même chose. C'est une autre transgression télévisuelle. Hein. C'est un truc qu'on a priori jamais trop vu à la télévision. Et je me demande vraiment comment est-ce qu'ils vont le filmer. Comment ils vont oser le faire. C'est quelque chose qui vraiment me pose question. Après, ils n'avaient pas hésité à mettre la mort de Joff en deuxième épisode de la saison 4. Donc, je pense que les débuts de saison... Oui, et puis c'était aussi la tarte aux frais qui était en premier épisode, en première scène dans une des saisons aussi. Hein, donc, bon. On verra. On va se laisser peut-être les petits amis là-dessus. Je pense. On a fait le tour. Mais du coup, on voulait dédier ce Twitch à Drozo, à qui on pense très 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 fort. Tout à fait. Enfin, et puis, sur cette très chouette soirée, on se dit une très bonne soirée. Ouais, n'hésitez pas à nous rejoindre maintenant qu'on a un Discord, si vous voulez. Tout simplement, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez venir maintenant sur Discord pour discuter de House of the Dragon, si vous n'y êtes pas déjà, et puis vous pouvez nous rejoindre sur le forum, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, puisqu'on est en train d'essayer de prévoir un peu ce qu'on va faire pour accompagner la saison 2, en plus des podcasts qui ont déjà été mentionnés. Voilà, voilà. Des bisous à tous. Bonne soirée. À bientôt les gens. Et bonne nuit. Et bonne nuit, oui.